Bonjour! Allô? On a des invités vraiment cool aujourd'hui. C'est la première fois que vous mettez les écouteurs pendant un podcast? Ouais. Ever? Une fois à la radio. OK. On s'entendait. C'était pas mal comme ça. Ouais, c'est comme ça. Est-ce que vous préférez le format radio ou podcast? Parce que c'est long. Podcast. Pis les... Ouais. Ah ouais. On aime ça parler. Ouais, mais même là, vous êtes arrivés tantôt, puis pour vous, on était juste debout. Blablabla, on s'entendait. Ouais. Mais t'as pas besoin d'avoir de filtre aussi sur un podcast. J'imagine voilà. Qu'à radio, c'est un peu plus. Ben, dépendamment du podcast. Là, mais... Ouais, radio, c'est parce qu'ils ont des questions ciblées aussi. Radio, c'est vite. C'est vite, là. Ah. OK, c'est entre deux chansons, là. OK, on sort un gaulerie. Non. Merci, ma bague. Mon Dieu. Fait que tu t'es déplacé, t'as conduit quoi? Genre une heure dans le trafic. Ouais. Genre, ça en plus, là, on était comme... Non. OK, pour 5 minutes, même pas, là. Oh, wow. Oh mon Dieu, OK. Ouais, en plus, fun. C'est trop pas c'est qui ton audience. Non, mais c'est ça. Ouais. Genre, ma tante Gisèle dans son auto, là. Ouais, c'est ça. On est super contents pour savoir. Oui. Mais merci pour l'invitation. Il y a des gens, peut-être, qui vont vous reconnaître, là, mais c'est... Yes. Donc, vous avez gagné, là, dans la saison de L'île de l'amour. Oui. Félicitations. Merci. Oui, félicitations. Hugo et Laurie, on est vraiment contents de vous recevoir. Nous, en plus, on s'était rencontrés, ça fait pas très longtemps, sur un shoot. Puis là, on parlait de ça avec Caro. On est encore devant le public aujourd'hui. Ouais. Caro, c'est genre... Fidèle public. Puis c'était super fun d'ailleurs, j'ai bien hâte de voir le content. Ben oui. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, super, vraiment content de vous recevoir. Quand on faisait nos recherches un peu, on s'est bien rendu compte que vous avez fait pas mal de podcasts, puis vous avez été reçus un petit quand peu partout. Même, ouais. Ça, doit être fou, le sortir d'un reality TV, puis après ça, te retrouver dans la vie de tous les jours, puis ton quotidien est comme flip un peu. Là. OK. Encore parce que quand même plusieurs mois, est-ce que c'est revenu un peu à la normale dans votre vie ou vous êtes encore en train de réaliser que tout ça se passe? Ben, j'ai calculé, ça fait 6 mois environ qu'on est sortis. Tu sais, ça a l'air quand même long, 6 mois, tu sais, ça fait longtemps, mais dans ma tête, c'est comme... Il y a encore plein d'affaires qu'on est en ajustement. Ah ouais. Mmh. C'est fou comment ça switch pas du jour au lendemain, tout est correct, puis tu retrouves ta vie d'avant, là. Mais non. Mmh. Fait que... Ouais. Ben, tu le retrouves pas, là. Tu surfes là-dessus. C'est comme... Okay. C'est une nouvelle réalité. Ouais. C'est comme... vous ben, t'as deux options. T'as l'option soit que tu reviens à ta vie d'avant... Ou tu fais des choses différentes, tu t'apportes à d'autres choses, exemple créer du contenu. C'est ça, nous c'est plus ça. Là, on essaie de se changer, pas nécessairement rester qui qu'on était avant. Faire les trucs qu'on aime, utiliser un peu la visibilité notre qu'on visibilité. A eue. Ben oui. Vous savez qu'un espèce de gros tremplin qui vous a offert un peu sur un plateau d'argent, maintenant vous êtes comme, OK, là on peut l'utiliser ça pour faire de quoi, des carrières, c'est ça. Des projets. C'est ça qu'on essaie, C'est ce qui est le fun, c'est mettons tu gagnes un show de TV, mais parce que t'as été gamer, peut-être ça, c'est une chose. Mais nous autres, on a resté nous autres. Fait que, c'est encore fait que là, plus beau. C'est notre personne. Fait que si on se filme dans notre vie, c'est ce que vous avez vu à la TV. Fait que Puis vous avez reçu genre 81% des votes. Ouais. Manifestement, le Québec vous a adoré là, dans le show. Vraiment. On y reviendra, mais définitivement, dans le show, vous aviez des opinions fortes, puis vous étiez présents. Puis ça, fait que je trouve ça vraiment cool. Je vois pas de quoi tu parles. Un peu, oui. Fait qu'un chien en laisse. Non, mais tu sais, je trouve ça cool parce que, au sens où, malgré que vous avez été vraiment 100% vous-même, puis ça a été bold, puis vous avez vraiment dit tout ce que vous aviez à dire, mais vous êtes sorti quand même adoré du public. Mais c'est ça, au début, c'était tout le contraire. Le monde nous aimait pas. On était ceux-là qui avaient le moins de potentiel amoureux. Lui, il allait jamais trouver l'amour. Non, mais moi, je revenais, faut que je le spécifie, là. Moi, je revenais de Spring Break aux États-Unis. OK. Au Grand Oasis Cancun. Oh mon Dieu, Seigneur. Fait que moi, la chasse est ouverte. Là, oui. Oh mon Dieu. Ouais. Le pire, c'est que tu savais que tu faisais l'émission avant. Tu sais quoi, tu t'es dit genre YOLO, je m'en vais faire le party là-bas. Ben, puis... c'était déjà prévu que je parte. Okay. Là, la prod, on s'est full arrangé. J'ai été le premier à faire le portrait. Ils se sont tous arrangés avec moi pour que je puisse partir. Ah, oh, nice, OK. Fait que... Moi, je suis curieux. Vas-y. Non, mais dans le sens qu'il allait fêter avant son départ. Puis je me saoule la gueule après ça, je m'en vais. Quand on savait officiellement qu'on allait à Lille, on n'avait pas le droit de le dire à personne. Ah, okay. C'est ça je voulais vous demander. Dans le fond, ça a pris combien de temps entre le moment où vous l'avez appris et le moment où vous avez pu l'annoncer? Ben, toi, tu l'as su d'avance, non? Ouais. Parce que moi, je l'ai su en février, je te dirais, puis je suis partie en fin mars. OK, c'est pas trop longtemps. Moi, au jour de l'an, au jour de l'an, je savais pas officiellement. Mais non, c'est ça. Mais on s'en doute, là. Tu sais, veux pas. Ils disent à chaque fois que tu penses à l'étape supérieure, ils te rappellent, puis tout. Fait que,
veux pas, quand tu reçois l'appel, t'es comme, oh, OK, je ça sais que. Puis là, on se voit bientôt peut-être. Puis là, t'es comme, ben oui, on va s'en voir. Ouais. On le sentait, là, ouais, veux ouais. pas. Ouais, il y avait le fil. Moi, j'avais vraiment un bon. Ouais. Je pense que tout le monde, ben je sais pas là, comment que ça se passe. Mettons, si tu penses que tu vas être choisi, puis t'es pas choisi. Mais moi, on dirait que je le savais. Ils font tout okay. pour comme te faire comprendre que les gens, ils te veulent. Okay. Je pense ouais. pas qu'ils te feraient des faux espoirs. Ouais. Mais c'est ça. Fait que moi, ça je fonctionne au début, t'as une entrevue Zoom. Puis okay. c'est comme une date. Fait que là, prépare-toi comme une date, mm-hmm. c'est ça. Ah oh, ouais! Puis moi, j'ai joué la comédie du gars qui était pas préparé. Fait que okay, là, okay. je pars, j'ouvre mon sel, je mets ça dans le char, tu sais. Fait que là, dans le char! Ben, ça foutait un peu, là. Ouais. Dans parce que moi, j'ai vu, ceux qui m'ont approché. Ils m'ont, ceux ouais. qui m'ont approché. Ok. okay. Où est-ce que m'en allais avec ça? Préparé pour l'entrevue de date. On parle de TDAH tantôt, ça s'en vient. Ah oui, c'est ça. Là, comme dans le show avec le riz, il est-tu beau mon chapeau? On te sent comme dans une belle sérieuse. Puis je suis comme, il est-tu beau mon chapeau? Je suis en... On parle de très sérieux. Ben, deux, vos drinks sont comme. Non, non. Je fais juste ce que tu disais. Fait que là, t'es dans l'auto, tu prends la pelle, tu joues la comédie. Fait que là, elle commence à me parler, puis tout. Puis elle dit, ah, t'étais où? Je suis comme, elle dit, non, elle dit, tu t'en vas où? T'étais où? Tu t'en vas où? Fait que je suis comme, ah, ben, j'étais en date. Là, j'ai compté comme, comme quoi je m'en allais en date. Ça, ils l'ont approché. Fait qu'au début, ils s'en foutaient un peu plus. Okay, ouais, ils voulaient pas nécessairement le faire. Puis quand il a fait les auditions, il a fait comme, ah, c'est le fun. Ouais. Okay. Elle dit, ben, rien t'empêche de revenir faire les auditions. C'est pas rien, là. Ça m'a dit, fais un zoom, ça t'engage en rien. Puis je suis comme, bon, on va le faire, là. C'est pas grave. Ouais, oui. Puis, dans le fond, c'est quasiment mieux si t'es pas stressé. Genre, ouais, bah, voilà, voilà. C'est comme un meeting. Son, là. Ils ont vu sa vraie personnalité. Ouais. Ah, il est bien drôle, ce gars-là. Il se prend pas au sérieux. C'est ça. Mais nice. Il était de même aussi dans le show. Ah. Ouais. Ça me dit, reste comme t'es dans ton. Dans, comme aujourd'hui, puis ça va bien aller. Ouais. Mais là, t'es en train d'acter. Non, mais genre, tu sais, j'ai acté comme quoi que je m'en allais en date, puis tout. Okay, mais j'étais comme moi-même. Tu sais, souvent, me poser une question, je partais sur un autre sujet. Là. Okay. Ouais. J'étais moi, là. Ouais. J'étais pas préparé. Là, okay, c'est bon, c'est comment ça se passe quand vous l'apprenez? Là, c'est officiel, vous êtes choisi, ça va se passer. Puis là, tu sais, vous n'êtes pas supposé en parler, mais en même temps, vous allez mettre votre vie sur pause pendant quelques temps. Là, genre, tu sais, si vous disparaissez. Là, c'est un téléphone. Okay. Hey, on t'annonce que, ben, t'es choisi. Officiellement. Ouh, on j'étais à l'école, là. J'étais comme. Tu t'en doutais, j'étais comme. Oui, mais comme, OK, là, comment je fais ci, là, mes bagages, là, je pars quand, et comme, on sait pas. Ah. Deux semaines à l'avance, tu vas savoir. Eh. Parce qu'ils savent pas si c'est dans le starting line-up, là, dans ou le. Tu arrives au plein milieu. Dans l'aliment partant, ou si t'es dans Casan Mort, ou tu sais. Oui, les autres, c'est pas encore clair. Ben, c'est sûrement clair, mais ils veulent juste pas nous le dire, là. Ouais. Mais c'est ça. Scoop. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, tu peux comme pas le dire, mais t'es énervé comme le tabarnouche. Ben là, dans la tête, ça fait ça de même. T'es comme, je m'en vais. Là, nanana, là ils t'appellent, puis ils disent, là, Hugo, y a-tu quelqu'un à côté de toi? T'es-tu tout seul? Allô, là, partent, c'est là. Tel nom, tu te rappelles-tu de moi? J'étais comme, oui. À qui je parle? Ouais. À qui je parle, là, je suis blessé, Hugo. Ah, c'est OK, puis là, elle part. Comme ça. Ouais, c'est vraiment, Oh my god, ils font vraiment attention. Ouais, là. Vraiment. Puis est-ce que, mais malgré tout, là, est-ce que vous l'avez dit genre à vos parents, aux amis proches? Ouais. Puis, comment tu veux pas dire à tes parents? Impossible. Je pense qu'il y en a pas qui l'ont pas dit à leur parents. On a le droit de le dire à notre employeur. Okay. Ouais, ils sont, ils envoient comme une copie, une copie officielle par courriel à l'employeur. OK. Pour dire qu'on serait pas là. Mais moi, ils l'ont pas fait. C'est là, correct. Là. Ouais, mais imagine, tu le dis pas à personne, puis t'es émaillé. Là. Moi, j'appelle la police. Là, genre, mais faut bien que tu préviennes du monde. Là, mais c'est ça, surtout tes parents. Ah oui, c'est clair. Là. Mais je pense qu'ils nous mettent ça strict. Parce qu'ils savent qu'on veut un peu peut-être. Ouais, c'est ça. C'est mieux de même. Tu le dis. À ton monde proche. Mais parce que techniquement, eux, ils disent comme tu le dis pas à personne. C'est ça. Parce que si la nouvelle sort avant que tu sortes à la télé, il y a des risques que tu n'y ailles pas. Ben oui, c'est sûr. Mais comme, on s'est entendu que si tu es en quarantaine là-bas, embarré dans une chambre d'hôtel, puis ça sort sur QC Scoop, Laurie va faire l'île de l'amour. Ils vont pas faire comme quand celle, on la rentre pas. Je pense pas. Je suis là, tu comprends? C'est sûr, là. Mais ils ont quand même prévu des backups. Ben, Olivier Dion, Olivier Dion, il avait scoopé trois candidats. C'était moi, Kev, puis Destiny. Il a fait une story. Ah oh, oui! Puis en arrière, on voyait leur. Il y avait trois photos avec des noms. Ah, oh, c'est vrai! Mais moi, j'ai entendu dire d'être... que c'était arrangé avec le gars des vues. Mais c'est sûr. Moi, ça me surprend tellement pas parce que QC Scoop, c'est tellement rendu une machine à vue que. Au lieu de le prendre comme ton ennemi, c'est sûr que la prod a mané de à mané, ils se sont dit on va s'en servir. Oh, okay. Et voilà. C'est clair, tout le monde clique. Puis comment, mettons, là, on est trois frères et sœurs, on est très proches, notre famille est très proche, on est proche de nos parents, tout ça, puis évidemment, on fait même un podcast ensemble. Si je date quelqu'un ou si je fais une activité comme ça, genre surtout une émission de dating, ça va être tellement, tellement, tellement important l'opinion de ma famille, l'opinion de mes frères et sœurs. Comment ça s'est passé, vous, avec vos familles à vous?
Non, mais... J'ai l'opinion d'aller là. Ouais, d'aller là, comme ben vouloir annoncer. Ouais, c'est ça. Ben moi, mon père, il est plus strict, tu sais, monsieur bureau, petit gel dans les cheveux, là, quand même assez classique. OK. C'est quand je travaille avec des tatous, il capotait. Là, ah ouais? Vois, genre, un petit peu. Mais il est vraiment ouvert d'esprit dans l'autre sens. Il va l'accepter, mais au début, il va être genre... Il est très conservateur, mais il est très ouvert d'esprit. Fait que c'est un peu un bon mélange. Il est ouvert à la discussion. Ouais. C'est ça. Puis souvent, tu y expliques, puis il est logique. Tu vois, il fait des liens. Il est capable d'écouter ton raisonnement. OK. Est-ce qu'il regardait les émissions? Ouais, ils ont tout regardé. Ben oui, c'est clair. Ouais. C'est mon fois, gars, ça! Ouais. Ouais, mais pour vrai, oui, t'es fier. Ah oui, c'est ça. Ouais, genre, c'était cute à voir, là. Comme vous l'avez sûrement vu, il y avait des chandails, puis toute la porte est fermée. Ah, mes parents sont intenses. Comme, il était intense, mais tu sais, au début, tu leur as dit, puis ils pensaient que c'était une joke. Ah, non, mais mon père, mais tu sais, j'ai dit à ma mère, j'ai dit tout avant, tu sais. Mettons, j'avais besoin d'argent, ma mère, tu sais. Mais son temps ça va passer. Okay, ouais, c'est ça. Ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble, là. Fait que je sais qu'il allait voir pourquoi, là, encore aujourd'hui. ben, c'est ça, le fait que là, j'ai dit, il était assis dans le salon, puis là, j'étais tout stressé, j'étais nerveux. J'ai dit, là, c'est là, je leur annonce, puis tout. Oh mon Dieu. Là, je vais dans le salon, je m'en vais pas aller dans le salon. Je fais un U-turn, je retourne dans la cuisine. Je fais comme si je fais semblant de checker dans le garde-manger. Je suis comme, OK, là, faut que j'y aille, faut que je leur dise. Je vais pas partir sans leur dire. Non, non. Fait que là, j'arrive, je dis, hey, faut que je vous dise quelque chose. Là, les deux, genre, ils s'installent puis ils m'écoutent. Oh mon Dieu! Tu penses qu'ils pensaient quoi? Genre, ben, il fait son coming out. Ouais, quelque chose. Depuis qu'il y a du vernis, ça doit être ça. Wow! Je te montre que c'est bon. Fait que là, il m'écoute. C'est pas juste une fausse, papa. Fait que là, je leur annonce ça. Puis mon père, quasiment aucune réaction. Ah, OK. Ah. Puis moi, j'étais sûr qu'il allait faire. Ben là, lui, mon père, il m'appelle Ticoun, comme dans la petite vie. Là. Hey, Ticoun. Ouais. Ouais, c'est comme. Fait que là, j'étais sûr qu'il allait faire. Hey, Ticoun, tu vas pas là, tu travailles. T'as ton condo en construction, tu sais, très rationnel. Mais non, tu sais, il était de bonne humeur. Puis là, ma mère, de la main, je dis, puis le père, il l'a bien pris, elle dit. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, mais il a bien réagi. Ah oh, ouais! Wow. Ben, il a dû voir l'opportunité aussi dans tout ça. Est-ce que je disais à mon père, j'ai dit, tu sais, il y a un certain point de valorisation dans le sens que j'ai fait des entrevues. Mm-hmm. Ça veut dire, dans un certain sens, que je suis à l'aise de me présenter devant. C'est comme une entrevue pour une job, là, tu sais, veux pas. Ouais, je suis capable de me présenter, je suis capable d'être. Tu sais, dans le fond, c'est quand même valorisant de se faire choisir. T'as été choisi, c'est ça, t'as été sélectionné avec un processus vraiment strict. Puis il y en a, je sais pas combien il y a de monde qui applique, mais ça doit être pas mal. Cette année, il y a un nombre record qui nous ont dit. OK. Ah ouais. Parce que t'as un numéro, comme un petit collant qui a un numéro, fait que veux pas, on se disait nos numéros à un moment donné. Puis quelqu'un dans le show avait dit, moi, j'étais à 800 que j'étais comme. Oh wow! OK, fait que comme 1000 que personnes, là. Il y en avait une, c'était numéro 2, j'étais genre. Moi, j'étais comme 288. T'as vu les autres numéros? Mais non, mais on se le disait. Toi, t'étais numéro combien à l'audition? Ah, mon Dieu, je me souviens pas. C'est ça, moi, mais c'est ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui était 800 que j'étais comme, oh! Ça veut dire qu'il y a comme 800 que personnes qui ont auditionné, puis ils ont choisi parmi ça, là. Ah, mais je suis mais ça, c'est ceux qui sont invités aux auditions. Parce que le Zoom sert à trier. C'est ça. Il y a entré beaucoup au départ. Tu sais, le Zoom, là, il y en a qui ouvrent la caméra. Ils l'ont peut-être pas, le parler, puis le. Ou c'est pas ce qu'ils recherchent, tu sais. Fait que. Ils font un triage, puis après ça. Ça va en entonnoir beaucoup. Puis aussi, ce qui est tough, c'est que, tu sais, ils veulent voir vos personnalités individuelles, mais après ça, il faut que ça fit avec les autres où ils cherchent un certain. Mais pour ça, on avait un Dr. Match qui s'appelait. OK. Fait qu'on était dans la chambre d'hôtel après l'entrevue. Ben, je sais pas si on fait ça avec toi. Moi, ils m'ont dit, OK, Hugo, on veut trouver la fille pour toi. C'est quoi ton genre? Là, je suis comme, ben, moi, j'aime ça le fait. Un catalogue, là. Ah ouais. J'étais un peu easygoing, mais il me dit, non, ce que tu veux. Longueur de cheveux, grosseur de sein, fesses, cuisses. Drôle, pas drôle, quelle est la nationalité? Les yeux, quelle couleur? Oh, wow! L'âge, botox, les lèvres, refaites, pas refaites, toutes. Ah, piercing, moi, j'ai dit, j'aime ça, accent. Les seins percés. Puis plus tard dans le show, la fille de la prod qui a fait le casting, elle me dit, puis Hugo, on te l'a trouvé. Wow! C'est bon. Il arrêtait pas de me dire, Dilori, le nombre de fois j'ai dit ça en audition que j'aimais ça, puis quand j'allais faire dodo, je mettais une petite camisole, mais comme, tu sais, on le voit. Puis il était comme, oh my god, je l'avais dit à Yoy, là. Merci, Dr. Match. Mais c'est fou, là. Est-ce que tu penses qu'à cause de ça, dans le fond, peut-être ils t'ont sélectionné toi en premier, puis après ça, ils ont sélectionné une fille qui fitait avec ce que toi, tu voulais, c'est tout ça, genre? Je pense pas. Pour vrai, je pense juste que. Clairement pas, parce que Laurie, elle aimait les gros douche bags. Ouais. Okay, ouais. Moi, selon ma description, je foutais zéro avec lui, là. Ouais. 0-0. Non, mais moi non plus.
Moi, je l'ai fait plus vieille. Genre, je disais comme 28. Ouais. Cédric. Ben, au début, il n'y avait pas une des filles qui était comme, oh, moi, j'aime ça les Surfer Boys. Puis ça marchait. Fait que, ils ont essayé, même sûrement. Si c'était pas... Puis plus tard dans le show, elle m'a dit, la fille du casting, elle a dit, comment ça, t'es pas allé vers Rénia? Il s'attendait à faire des matchs. Puis finalement. Ouais. Parce que, veux pas, il faut que le monde se désire. Mais il essaie de faire des matchs comme ça. Mais tout peut arriver, justement. Ben oui. Fait qu'il dit... Puis c'est comme quand on a fait notre Dr. Matt, justement, on était comme, c'est qui t'avais choisi pour moi? Puis là, il y a comme, mais on a choisi personne. C'est selon toutes tes caractéristiques. On essaie d'en trouver partout, chez chaque gars. Ah, ouais. Mais elle dit, il y a pas un gars qui était destiné pour toi, Laurie, tu sais, ou une fille. Mais on essaie que ça fit, puis ça match, mais... Fait que là, on est comme, OK. Mais c'est cool. Ça. Mais c'est ça. Mais il parce essaie que de. Ça marche, on s'en souvient. Il y a quand même beaucoup de matchs, il y a beaucoup d'affinités. Ouais. Les gens se rencontrent, puis rapidement, il y a des relations qui se développent. Ouais. Il y a un truc, je pense que j'en ai parlé sur le podcast dans le passé, peut-être je radote, mais tu sais, j'ai travaillé avec une productrice de Love Story, ça date de longtemps. Puis elle m'expliquait que quand ils faisaient, justement, ils choisissaient les candidats, eux autres, il y avait un grand tableau, là, puis il y avait des feuilles qu'ils avaient affichées, puis là, ils décrivaient un peu, mettons, ça, c'est la vraiment forte personnalité, là. Ça, c'est celle qui pète des coches. Ça, c'est celle qui est vraiment douce, qui s'entend avec tout le monde, qui est super fine. Mais ça, c'est sûr, celle qui est vraiment flirty. C'est sûr. Qui ont des stéréotypes comme ça, là, puis après, mais ça, genre, ils font genre, ah, cette personne-là fit là-dedans. Puis genre, littéralement, ils font juste décider qui gagne chaque spot. C'est fou, hein? Mais c'est sûr que c'est ça qu'ils font. Je suis quasiment sûr. Est-ce que c'est quoi votre stéréotype qui a oufité? Moi, ça va être la forte personnalité. Forte qui personnalité. Fait les okay. Fair enough. Ça clairement, marche. Clairement. Ah ouais, je vais pas se faire. C'est pas les coches tant que ça. Non, ben au début, j'avais l'air de ça, mais finalement, ça a bien tourné. Ta vraie personnalité, mais fait, c'est possible. Parce que moi, j'étais comme. Parce qu'il était quand même. Hein? Quand même. Là. De quoi? Des fois. De quoi? Tu fais des coches? Non, j'ai rien dit. Mais oui. Mais durant une entrevue, tu sais, Thomas dit, mettons que tu rentres dans Casamour, comment t'agis? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Me battre pour ma place, tu sais? Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Mais quelqu'un qui a répondu, mais là, j'aimerais pas ça. Ils t'ont demandé ça, toi? Ouais. Moi, ils m'ont pas parlé de Casamour. Ouais. Oh. Moi, ils m'ont dit, on va te mettre dans l'aliment partant. Parce que tu vas être un hyper pour le groupe. Ah. C'est ça qu'ils m'ont dit. OK. Ouais. Ah non, moi, ils m'ont pas dit. C'est ton stéréotype. Le gars qui rassemble. Mais c'était ça beaucoup, ça, l'émission. Ouais. Mm-hmm. C'est ça. Fait qu'ils m'ont demandé Casamour. Puis là, moi, j'étais comme, oh, tabarne. Je dis, moi, pas. Là. Mais tu sais, je veux pas, si j'étais allée là dans Casamour, j'aurais fait de ma place. Puis je m'aurais battue pour. Ouais. C'est ça. Mais hey, je pensais à ça. Après, j'étais comme, oh non, je veux pas qu'ils mettent là-dedans. Ouais. Là, je vais foutre la merde. Là, les filles vont pas m'aimer. Gna, 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 gna. Physiquement, tout le monde me voit. Puis I lied in bitch. Ah ouais? Puis moi, je leur ai dit, le monde, les filles me regardent à la bitch. En laisse, c'est sûr, ça a l'air. Mais non, mais. Tu as pas l'impression physique, là? Physique, ouais, parce que j'ai souvent comme l'air bête normale. La bitch comme, face, c'est rest face. Fait que j'étais comme déjà là, je vais pas me faire des amis. Fait qu'imagine, si je rentre en plein milieu, il faut que je tasse des filles. Mais si tu serais rentré à Casamour, peut-être j'aurais fait un bec sa joue. Ah! Ah, attends, je comprends pas. Lequel bec? Ah, tu m'aurais pas fait un bec sa joue. Non, ouais, tu l'aurais pas fait. Tu m'aurais frenchouillé. Okay. Sûrement. Ah. Un French de plaisance pour commencer. Okay. Un French de plaisance. Les termes que vous avez, les termes genre les French d'intérêt. Mais c'est moi qui ai apporté ça. C'est là. C'est bon. Tu sais, un French, c'est pas obligé de vouloir dire de quoi. Non. Tu sais, t'as envie de frencher. Ben oui. Tu French et tout. Mais le pire, c'est qu'on arrive. Mais c'est ça. Puis le pire, c'est qu'on a dit prochaine saison, on espère que ça va rester. Puis même la prod a dit c'est bon, Hugo, que t'as mis ces termes-là. Ouais. Puis elle a dit j'espère que dans là, les prochaines, ça va l'utiliser. Ben oui, c'est clair. Mais c'est ça. Puis pour les spectateurs aussi, genre, c'est pas important de. Comme t'as l'impression que tu fais partie de ce qui se passe dans l'aventure, mettons, quand tu peux surtout garder ces expressions-là. Mm-hmm. C'est quoi. C'est chez nous ici de OD, tu sais, comme des petites affaires de même. Des affaires de même. Juste des petits slogans, des petites affaires qui après ça le monde utilise et dans la vie de tous ça. Les jours, mais comme ça participe à la popularité après ça de l'émission. Je suis sûre que le monde était chez eux puis ils regardaient les French dans les yeux puis c'était un French d'intérêt. Ouais, ouais. clairement. Parce que ça veut tout dire. Tu sais, parce que souvent un French, tu vas voir le French, mais pour que les gens voient comment je l'ai perçu, j'ai essayé de trouver un mot là, pour le dire dans le confessionnal. Dans le confesse. Fait que là, vous arrivez à l'émission, il y a des caméras partout. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que vous arrêtez de voir les caméras? Ou est-ce que vous avez toujours cette petite conscience-là de comme, ah, je suis filmé comme tout le temps, puis je dois faire attention? Ou il y a vraiment un moment donné où ça débarque, puis t'es comme... Ben, je te dirais que, mettons, quand tu filmes ton portrait, t'en as genre 6-8 sur toi, puis genre, sont comme, là, marche, là, puis là, tu vas faire ça, puis là, fais ça de même, puis là, on va filmer ça en gros plan, là, t'es comme ultra, ça commence direct de même, là. Ouais. T'arrives là-bas, tapis rouge. Sérieusement, je pensais même pas tant aux caméras, j'étais comme, il y a des gars, il faut qu'ils me choisissent. Okay.
Mais je te dirais que nos premières conversations, les caméras sont là, puis ils se tournent vers toi. Et disent, là, t'es comme. Ils entendent, hein? Ah, ouais, ils se promènent, là. Sont-ils comme bien camouflés? Non, ou? Non. Ah, ils sont dans ta face, là. Ils sont là, puis tu. Il y en a une dans le coin, là, en haut. Il y en a une autre, là. Il y en a partout. Tu les entends qui. Vers toi. Mettons, tu marches, là, ça te suit. Puis là, nous autres, pour savoir si elle est en train de nous capter, on checkait l'œil. Fait quand l'œil. Quand l'œil grossit, c'est qu'ils sont en train de zoom, là, c'est ouais, toi. Okay. Là, moi, je suis à quel temps les yeux, là, voir. Je peux te dire ça, je peux pas dire ça. Tu sais, déjà, je peux préparer, genre, en ce moment, ce qui m'a fait. Mais c'était plus avec Raph, parce que, mais comme moi, depuis le début, les caméras, ça me dérangeait pas, là. J'étais ouais. vraiment okay. comme, au pire, tu sais, ouais. t'es toi-même, puis s'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas, puis d'habitude. Mais, oui, ouais. okay. mais avec Raph, souvent, on est comme, il faut que je te dise de quoi, là. Là, on était comme, ah ouais, il est ici, le show. Puis là, on attendait. Ah, toutes les caméras disent. Ah, c'est bon. Ils te suivent, là, avec les caméras. Ben oui. Il y a quelqu'un qui clique tout ce en que arrière. Tu ouais. mettons, tu sais, on est tant de boys. Mettons, je disais, hey, faut que je me gratte le cul. Ben, faut que je me gratte ouais. le cul. Ils écrivent tout. Ils écrivent tout, qu'est-ce qu'on dit. Puis la première fois que j'étais allé aux toilettes, ben, que j'étais allé faire caca aux toilettes, ça avait ton micro dans le cou. Puis t'es enregistré, là. T'as pas le droit de l'enlever, genre, pour des trucs comme ça? Ben, au début, je savais pas, mais tu peux le mettre à terre plus loin, genre. OK, OK. Qui est quand même pas l'idéal, mais. Non. La première fois, j'étais genre. C'est parce que c'est compliqué aussi, là. C'est compliqué à enlever, puis tu sais, t'as des fils, t'as un pack en arrière, t'as ton collier là. Fait que ça presse, Deuxièmement, c'est compliqué de l'enlever, puis tout, faut que tu le déposes, faut que tu fasses attention. Là, le remettre, là, t'as chaud, là, t'as un bikini avec tout plein de cordons en arrière. C'est compliqué. Est-ce que t'es comme, je m'en vais faire caca, la gang? Ben, sérieux, oui, mais non, parce qu'ils te voient. Okay. Ils te voient aller aux toilettes, fait qu'ils sont comme. Ils vont couper le son, tu sais. Ils sont pas qu'elles vont pas faire. Oh, okay. c'est caca. Ouais, oh, un pipi, tu sais. Ouais. Mais Enya, je sais qu'elle l'enlevait tout le temps. Okay. Okay. Ouais. Enya était comme moi, je l'enlève. Ouais, je la comprends. Je l'aurais pas enlevé. Puis, mais c'est ça. À un moment donné, tu t'en fous bien raide. Ouais, puis moi, comme... j'ai. Première semaine, je te dirais que je voyais qu'il y avait des caméras, puis tout. Puis rendu là après ça, j'ai juste oublié, là, pour vrai. À part quand tu la vois vraiment comme tourner vers toi, t'es comme, ouais, OK, allô. Sauf que quand on est revenu au Québec, la première nuit, j'ai passé avec Laurie. Le lendemain matin, je me sentais filmé. Ouais. Ah. Là, j'étais comme, tabarouais, c'est le premier matin que je suis pas filmé. On se réveillait, puis on se parlait comme si, quand on se réveillait là-bas. Ouais. Ouais, allô, t'as puis j'étais avec Laurie. Parce que dès que j'étais avec Laurie, j'étais filmé. Okay, dans ma tête, là, tu sais, ton cerveau, j'étais comme, ah, bon. Le sa mère qui rentre dans la chambre qui nous prend en photo, là, ça c'était drôle. Ah, ouais. Genre, bah, vous êtes habitué, Noé, allô, dites bonjour à tout mon monde Facebook. Ah, elle prend en photo, mais. C'est non, mais qui ouais. Mais c'est ça, au début c'était le fucké de revenir, puis comme, on est plus filmé, là. Hey, on peut se gratter le nez, puis. C'est ça? Ouais. Ça t'arrive-tu encore des fois aujourd'hui d'avoir pas un PTSD, mais justement un genre de comme, ah, ok, genre, il y a des gens qui regardent, comme de te sentir watché ou là, c'est. Ben, on se sent watché, clairement. Ouais. On se sent filmé par les caméras. Ok, mais j'avoue, là, c'est ça, vous faites à reconnaître. Comme quand vous sortez, là, aujourd'hui, sais-tu, chaque fois que vous sortez, vous êtes reconnu, ça ressemble à quoi? Mettons une dans fois. Dans les endroits publics. Dans les endroits publics, oui. Ben oui, ok. Minimum une fois. Mais tu sais, si je vais au DEP, non. Non, non, c'est ça. Quand on est tout seul, c'est moins pire. Quand on est à deux, là, le monde, là, ça se donne. Là. Oh, c'est vous, non, non, mais mettons, non. On rentre dans un bar, là, c'est calme. C'est fou. Ouais, c'est insane. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui ont changé leur attitude? Tu sais, mettons que vous connaissiez avant ou que qui vous parliez pas tant, puis là, que tout d'un coup, ça revient dans vos vies ou ben, je sais pas. T'en as parlé aussi durant un podcast. Ah ouais? Que tu penses que c'est pas les gens qui changent. Ouais, ben c'est ça. J'ai un grand cercle d'amis. J'ai l'impression que c'est eux qui me voient différemment. Ouais, comme moi, j'ai pas changé, c'est eux qui ont changé envers moi. Comment ils ont changé? Parce que les gens, ils pensent que parce c'est que nous que qui changeons. Tu fais des stories ou que tu vas à des événements, t'es comme différent, mais t'es la même personne. Ouais, c'est le classique commentaire là, tu fais ton influenceur. C'est là. Ça. Ouais, je comprends. Parce que nous, en tant que tel, on change pas de personne. On est la même personne, c'est juste qu'on a des nouvelles affaires dans notre vie qu'on essaye de gérer. Oui. Fait que c'est essayer de gérer toutes les nouvelles affaires avec nos anciennes affaires. C'est ça qui est un peu mélangeant, puis t'es comme. Tu sais, je suis tombé avec une blonde aussi, là. Ouais. J'en reviens avec des abonnés, peut-être quelque chose que je vais aller travailler, créer du contenu, j'aime ça. Fait que je vais le faire, tu sais. Puis là, j'ai une blonde. Fait que là, ça prend du temps, tout ça. Fait que là, ils ont comme l'impression, à cause d'influenceurs, tu leur parles moins, mais c'est pas, c'est pas c'est nécessairement. C'est une perception comme négative, c'était-tu? Ouais, un peu. Moi, je pense que oui. Mes amis aussi, là, ils me l'ont dit, là. Ah, oui. Mais ça a l'air que c'est quand même un classique. Qu'est-ce que tu fais? On peut-tu te voir? C'est quoi? Je suis plus ton ami? Genre. Ben non, je vais pas me tenir à des vedettes parce que tu sais, ça n'a pas rapport. Ouais, ou va. Ah, tu peux aller chiller avec tes influenceurs, mais tu sais, comme mettons, exemple, on est allé nous autres à un événement shooting. Ouais. Mais
tu veux pas, t'es payé pour ça. Fait que ça fait un peu partie de ton travail. Ouais. Fait que tu y vas. Mais c'est comme, tu viens pas spec nous, mais tu vas spec des influenceurs. Ouais, ok, je comprends. C'est un peu plate, mais dans le sens, c'est comme, tu sais, ça fait partie d'un peu mon cheminement que je vais avancer. Fait que, Je pense que ceux qui sont pas en production de contenu réalisent pas nécessairement que tout ce qu'on fait pour poster online, tu sais, c'est du travail. Vraiment. Puis, ça, on l'a réalisé récemment. Ouais. Il y a beaucoup de travail, puis c'est pas perçu comme du travail. Tu sais, comme l'exemple du shooting, que t'es là, on est là à prendre des verres, manger, prendre des photos, puis tout. Fait que de l'extérieur, c'est pas perçu comme un travail. Là, c'est comme check-les là, qui sont en train de manger, boire, puis se faire prendre en photo. Mais comme, c'est du content, puis après ça, tu peux poster. Puis tu dois éditer, puis tu dois préparer. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est long, là. Ouais, à partir d'après. Ouais. Il faut tout le temps poster. Tu sais, une affaire que Caro est vraiment bonne, c'est comme la constance. Puis moi, dans le chicane, comme, t'as pas posté cette semaine. Puis je suis comme, OK, c'est beau, tu sais. C'est vrai. Puis le monde, c'est facile, vous mettez des photos en ligne. Non, non, mais c'est parce qu'il faut que t'aies la bonne photo. Là, ouais, faut que le linge, il faut que ça fitte avec le reste. Ça a l'air con, mais... quel jour à telle heure, tu t'as qui... C'est vrai, mais c'est fou comment c'est compliqué, c'est stressant. C'est 100%. J'ai dit pas poster, merde. OK, la musique était vraiment pas bonne. Ça, il n'y a pas eu beaucoup de vues. Tu le délites. Hey, là, il est 6 heures, vite. Ouais. C'est l'heure, là, 6 heures. Ah, c'est ça. Je sais pas pour vous, là, mais moi, dans ma vie... Ça s'en va de même. Je peux me réveiller un matin, je pète le feu, mais qu'il y a une journée, ça me tente pas pantoute. Ah, absolument. Ouais. Mais par exemple, dans la story, lui, il s'en fout là, que tu sois pas de bonne humeur. Ou que tu fasses du contenu. J'ai l'air de cul, mais il faut que je parle de ce qu'il fallait que je parle. C'est comme en fait si vous travaillez en service à la clientèle pour le restant de votre vie. Comme c'est pour servir les followers, mettons. C'est vrai. Fait, tu rentres travailler, ça te tente pas, mais. Pour ton client soit content, tu lui souris. Ouais. Je sais pas pour vous, mais comme des fois, je fais genre des TikTok à l'occasion, puis des fois, quand je fais des stories ou des TikTok, des choses comme ça, souvent, c'est parce que j'ai une idée qui me pop ou genre j'ai quelque chose que je viens de tracer, puis que, oh shit, c'est drôle en esti, puis je me trouve drôle, puis c'est là, puis j'ai refait, tu sais. Puis là, je suis full à l'aise, je parle à ma caméra, whatever, je la poste. Puis il y a d'autres fois que je suis comme, hey, ça fait genre, hey, moi, en tout cas, mettons, j'ai un TikTok qui a tellement pogné qu'après ça, j'étais comme, je peux pas pogner quelque chose, je peux pas poster de quoi qui va pas pogner autant. La barre est haute. La barre est haute. Tu veux constamment chasser ça. Je vous jure, je n'ai rien posté depuis. Parce que à chaque fois, je suis comme, hey, je vais faire de quoi, puis là, je me filme, je suis comme, si, c'est de la merde. C'est de la merde, ça pognera pas. C'est drôle. Genre, la pression que tu te mets toi-même avec genre ton propre contenu est insane. Mais moi, c'est tout ancien. Tout ancien. Puis les autres aussi, tu te compares aux autres. Mais oui. Je veux pas. Puis. Ah, elle a fait ça, ah, faudrait que je fasse ça, mais pas comme ça. Mais là, ah, ça a vraiment pas mis de me le faire, mais comment. C'est ça. Oh my god. Tu l'adaptes à toi, tu dis ton contenu original, ok, mais j'ai décidé, ok, je vais brainstorm. Ah, mais ça devrait être naturel. Ah, mais. Mais vous, est-ce que vous aviez un following avant d'arriver à aller de l'amour? J'en avais 4000. Ok. Puis toi, ils t'ont approché, c'était à cause de ton following? Non, moi, j'avais 800 abonnés, là. Puis c'est pourquoi ils t'ont approché? Parce que je suis drôle. Non, mais t'avais des contacts, tu connaissais peut-être quelqu'un. Non, même pas. Je sais pas. Ils contactent le monde sur Instagram. Peut-être parce qu'ils voulaient comme. Ils sur Instagram. Ouais, tu postais-tu genre. Je pense qu'ils ont une équipe de recherche. J'avais pas de Instagram intense, là. J'avais jamais fait une story parler. Hein? Mes photos, c'était genre. Dernièrement, parce que j'étais comme célibataire, je commence à mettre des photos que je suis un peu plus cute. Mais tu sais, c'était pour le dating life. Ils recherchent les beaux profils. Ouais. C'est vrai, j'imagine. Mais les dits, oui, quasiment. Ah ouais, ça se peut. Ils se sont créés. Ils se sont créés un TikTok, je pense. Deux filles de la prod, ils ont fait un TikTok. Un Tinder. Puis ils checkaient pour les filles, puis pour les gars, puis tout. Puis ils swappaient, puis t'es en couple, puis ils sont pas le même. Oui, imagine, tu matches avec un gars, dans le fond, c'est un faux profil, puis ils veulent juste que tu aies une allée de l'amour. À vous. J'ai une question par rapport plus au editing. Parce que vous avez comme vu les épisodes après, il y a eu le speed retrouvaille, tout ça. Est-ce que, rencontre des retrouvailles, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup, beaucoup de scènes de ce que vous avez vu dans les épisodes après qui étaient très éditées? Ou est-ce que l'essentiel des conversations ressortait vraiment? T'sais, ça a-tu été bien manipulé pour vous faire dire des trucs? Non. Ben, l'île de l'amour, c'est ça qui est le fun aussi. Avant qu'on s'engage là-dedans, c'est ça qu'ils nous disent. Ils disent qu'il n'y a pas de gros montage qui font. Mal vous paraître. Déconnecter un peu ce que. Ben, défaire ce que tu voulais dire. C'est là. Ça. Okay. Ils veulent garder ça attentif. Ils vont pas croire des mots et faire des phrases qui sont méchantes. La seule chose qu'ils vont faire, c'est comme un peu toutes les shows. Là. Mettons, juste avant la pause, ils vont te mettre sur un... Mais c'est à zéro rapport. Puis finalement, mais c'était ça. La passée, ils comprennent. Genre, mais à la fin de tout, t'as pas l'air de ce que t'as pas été. Genre. Non. Est-ce que quand vous avez visionné les épisodes après, vous aviez mentionné les avoir écoutés ensemble, mais est-ce que vous les aviez écoutés chacun de votre bord? Ou... Ouais. Puis, parce que quand le show est fini, on était séparés les filles et les gars pendant le show. On a filmé la finale parce que là, vous le savez tous, on a faké les quatre gagnants. Ouais, bref, on est tous
pimpée, on est full belle, grosse truc à paillettes, on a gagné ish. Là, ils disent le couple gagnant, Hugo Laurie, ah, là, ok, là, on attend que la puissance descende. Ouais. Le couple gagnant, Kevin Denis, ah! Mais là, vous avez une chance parce que le t'as une chance par coup. Ouais. Ouais. Là, après ça, c'est comme, ben, tes valises sont faites, on quitte la villa. Puis vous allez dans, en allez 8 jours dans des Airbnb, filles avec filles, gars avec gars. Puis là, on sait pas qui gagne. Là. OK. Damn. Non. Fait que pendant 8 jours, on n'est plus ensemble, mais on a dormi pendant 2 mois ensemble, tous les jours. Fait que là, c'est comme adieu, bye. Ouais. Je t'aime. Mais là, nos nounous sont parce que avec c'est nous. Notre vie, hein. Ouais. C'est ça. Là, c'est, ça a l'air intense, mais quand t'es là-bas, c'est ça ta vie. Ben oui, ben oui. C'est ta blonde, puis le soleil. Puis c'est ça. Oh, ouais, moi, j'avais dit, moi, j'avais dit au nounou, je dis là, Laurence, la nounou, est-ce qu'on pourra faire FaceTime avec Kevin, l'autre nounou des gars, pour faire FaceTime puis dire que je l'aime? <t'sais>? comme on peut pas faire ça, Laurie, j'étais comme, Attends, excuse-moi, parce que vous avez dit nounou. Tu peux-tu me parler un peu plus des nounous? C'est qui les nounous? C'est des gens qui sont 24 heures avec, sur 24 avec nous. Ah. Et ils s'occupent, c'est notre maman, notre papa, là. Ils s'occupent de tout, là. Ils sont tout le temps là avec nous. Eux, ils ont un dehors de la caméra. Ils sont connectés aussi, hein. Ils sont connectés avec la prod, puis c'est comme, OK, ben, mais Hugo en stand-by, puis là. On veut au confesse. Le rendu le plateau. Hugo, OK. Comme il gère. Parce que quand ça tourne, mettons, je suis en discussion, là je croise le rire, là, tu sais, jusqu'à des bons yeux, putain. Là, il va se mettre accroupi, puis là, il fait Hugo, confesse. Là, t'es genre, oh, je suis en train de parler. Ouais, ça, ça faisait chier, on était comme, mais là, Kev, là, il a confesse. Fait que c'est vraiment, t'as une tellement bonne relation avec eux, puis faut que tu te fasses aimer d'eux, puis il faut que tu les aimes, sinon tu vas passer ils un calvaire. Ils sont tellement parfaits. Puis ils font OD aussi, justement. C'est les nounous de OD. Ah, OK. De l'année passée, nous et de cette année. Puis on a la même psychologue aussi. Ouais, on les voit à la télé, les nounous, puis on est comme. C'est vraiment hot. Ouais. La psy, mettons, si vous la voyez avec quelle fréquence, c'est quoi les suivis que vous faites c'est avec? C'est-tu pendant l'émission? Ouais, après? Avant, pendant, après. OK, avant aussi. Ouais. Avant, j'imagine, c'est comme une évaluation. Ouais. C'est ça. Ouais, okay. Une évaluation psychologique, là. Ça, je voulais être honnête, j'étais pas sûr de passer le test. Pour vrai? Non, j'étais genre là, faut pas que j'en dise trop, là. J'étais genre là. Mais voyons donc. Non, mais tu sais, est-ce que t'es quelqu'un qui fait des crises d'anxiété? Oh non, non, non. Ah, moi, au contraire, moi, j'ai tout dit mes défauts. Puis, elle dit, je vois que t'es honnête, Laurie. Tu reconnais tes défauts, puis. T'es self-aware. C'est ça, tu te connais bien. Elle dit, rendu là, t'as des petits problèmes, mais tout le monde a des problèmes dans la vie. Au moins, tu sais les cerner. Puis, elle dit, moi, je vais être juste là pour t'aider à les régler là-bas si ça dégénère. Puis comme de fait, elle, en fait, là, elle dit, moi, je vais être toujours là pour vous s'il y a quoi que ce soit, si ça va vraiment pas vous m'appeler. Ah. Ils sont vraiment... Ça, c'est nombre ça de fois qu'elle est venue. Ah. À non, désirer. Ouais. Ben, ben oui, elle est venue souvent. Elle est quand même venue souvent. Je te dirais, dans tous les congés, on pouvait la voir. Okay. Puis dans le fond, on avait un congé aux 4 jours. Okay. C'était entre une journée puis 4 jours de on congé. On avait beaucoup d'accès. Okay. Mais tu sais, c'est parce que maintenant, c'est en ça. Temps... On est quand même, on était 20, 22. Ouais, elle fait pas voir les 20 à chaque 4 jours. Mais mettons, il arrivait et disait, OK, qui veut voir la psychologue? Il prévoyait d'avance. Mais mettons, ceux qui voulaient, puis les autres, ils la voyaient, mais c'était en... Si vous, plus tard que, ou... Ils mettaient les priorités, là. Ouais, ouais, okay. C'est ça. Est-ce mais moi, genre... j'ai vraiment aimé ça, là. Oh, ouais, parce ouais, que c'est ça j'avais que... jamais vraiment vu de psychologue. Ouais. Là, quand le show commence, là, j'ai commencé à parler un peu de... Puis de toute façon, ils te voient, hein, puis ils analysent, mettons. Ah, là, t'étais stressé, là, t'as fait... Avec ta gorge, t'étais nerveux. Ah. Ils savent tout. Fait que tu peux pas y commencer à y mentir. J'étais tout vu. Elle n'est pas conne, là. Elle connaît le langage, là, comment tu te sens, puis tout, là. C'est ça qui est le fun. C'est exactement ça, ma question. Genre, y a-tu du monde qui n'ont jamais vu de psychologue? Parce que, tu sais, on voit souvent ça chez du monde, ils sont comme, j'ai pas besoin d'une psy. Mm. C'est comme vraiment comme. Pas macho, le mec, t'es comme, voyons, j'ai pas besoin de ça. Puis là, finalement, tu parles à un psy, t'es comme, hein, c'est comme, c'est le fun, c'est. C'est vraiment. Ouais, c'est un peu ça. Ben, c'est un peu ouais. comme les érections. Il y en a qui disent qu'ils en ont pas besoin, puis il y a assez de Viagra, ils sont comme, cru, je n'en avais pas besoin. Exactement! Waouh! J'aurais jamais pensé comparer. C'est bon, c'est bon. Mais... On aime vraiment les psychologues, finalement. C'est ça qu'on essaie de dire. Et on adore le Viagra. Oh mon Dieu, fait que là, le pendant, vous avez vu la psychologue, puis après, est-ce qu'il y a un suivi? Ouais. Dans le fond, c'est au besoin. OK. En fait, si tu l'as pas contacté le premier mois que t'es sorti, elle t'appelle. Ça va-tu? Okay. Un petit suivi, comment ça se passe? Tu m'as pas parlé. Même après. Ouais. Ah, on est 2 mois après qu'on peut la contacter n'importe quand. Tu sais, moi, juste le fait qu'elle m'a appelé, ça m'a stressé. Je dis, y a-tu quelque chose? Là, elle dit, mais non, j'appelle tout le monde. Je dis, OK. Je te suis depuis 3 jours. Puis dans le fond, j'ai réalisé que. Mais on a eu besoin, le pire, là. Mm-hmm. Ah, comme, ouais. J'ai parlé 2-3 fois, là. J'ai eu un rendez-vous. Puis ouais, nous, moi, puis surtout le rire, on est gagnant, là. Tu sais pas comment gérer ça, premièrement. Deuxièmement, tu sors de là, on chicane, on est comme.
ah, ça marche pas ça, compromis, non, non, non. C'est comme, c'est normal, tu sais? Puis là, elle est comme, ben oui, c'est normal, là, c'est ça, ça, essaye ci, essaye ça. Okay. C'est ça qui est le fun, elle donnait des pistes. Là-bas, là, j'ai failli choquer go, là. Tu sais, quand je l'ai friendzone, là. Ouais. Ben moi, j'ai dit à puis j'étais comme, on dira peut-être pas son nom, excuse. on va la bipper. Ouais. Ah, tu sais, j'étais comme, tu sais, moi, un go. J'étais comme, tu sais, go, ça me tente pas de faire des efforts, il me veut pas, on dirait, comme, mais pourquoi Laurie t'abandonnerait, tu sais? Puis là, te faire réaliser, puis finalement, je suis retournée vers lui grâce à qui? La nounou. À la psychologue. Non, pas la nounou, la psychologue. La psychologue. Fait qu'elle te fait réaliser des affaires vraiment importantes pour continuer chaud. Dans le fond, là. Elle te met pas des mots dans la bouche, mais elle t'aide tellement, là. Elle te pose les bonnes questions pour que toi-même tu fasses une introspection. Voilà. Elle est bonne en tabarnouche. Mais elle est psychologue de télé, réalité. Ouais. Ouais. Puis elle a été aussi en psycho. Là, je dis n'importe quoi. Psychoéducation, psychothérapie. Non, l'étude en neurosciences. Neurosciences, ok, ouais. Elle a quelque chose de plus, mais. Neuropsy? Je sais pas. Peut-être, ouais. Une neuropsy, mais je sais pas. Elle est calée. Ouais, elle est vraiment bonne. Elle a des verrous et des portes que tu savais pas qu'elles existaient. Ouais. Ouais. C'est là que tu vois qu'un psychologue, c'est wow. Toutes les candidats, on en ressortait de là, puis on se comptait ça. Tu es comme, malade. C'est malade, ouais. Overall, est-ce que vous pensez, en termes de santé mentale, parce que veux pas, c'est 2 mois, vous êtes comme dans une semi-prison, si on veut, là, au sens où il n'y a pas de grandes activités, parce que vous avez comme juste, vous pouvez vous parler, puis c'est pas mal. Mais malgré qu'on est occupé quand même beaucoup. Par les activités que la Il y a des activités, tu te lèves, après ça, un challenge. Tes journées sont chargées. Ouais. T'as pas le temps de t'emmerder, à pas vers la fin un peu parce que tu t'emmerdes pas parce que t'es avec les filles. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu parles tout le temps avec les filles, là. Dans le fond, t'apprends à connaître tout le monde. C'est ça, OK. Puis, à part des journées de congé, là, t'as rien à chier de ta vie, mais t'en profites pour dormir, te raser, te remettre. te mettre pas belle pendant 2-3 jours, puis t'es comme, ah, je suis laite. Ah, vous autres, tu faisais ça? Ah, ouais. Hey, on bouffait comme des cochons. On était genre, il n'y a plus de gars. Ah, c'est stressant. Ah, c'est séparé les journées de congé. Hey, t'es en maillot de bain, devant une caméra toute la journée. Ah, ouais. Fait que là, t'es comme en gros pyjama dégueulasse. Mais oui. Tu manges comme une truie, t'es genre, tu dors toute la journée. C'est ça, tu te négliges pendant les journées de congé, ça fait du bien. Mmh. Puis même qu'on était tellement stressés qu'on faisait pas caca, les filles. Oh, ça serait tellement les gars, ça chiait, tout allait bien. Puis là, on était constipés. On était sur le laxatif, ça marchait pas. On s'en est rendu compte. Puis là, Bianca, je pense que c'est sûrement toi qui l'as dit, mais genre, là, les gars, on est tous constipés. Oui! Mais là, en plus, que tu sais que t'es filmé, t'es micro quand tu stresses constamment. Est-ce que ça arrive à me dire à chier dans des toilettes publiques? Moi, je suis pas capable. Ah, moi non plus. Ah, pas impossible. Capable. Impossible. Caca, pas capable. C'est chez nous ou chez quelqu'un que je connais. Mais moi, c'est pas à cause du monde, c'est que je suis un peu hypocondriaque, fait que j'ai peur de pogner une ITS. Je sais même pas si ça se passe. Genre, est-ce que tu nettoies ton bol avant de t'asseoir? Je le fais pas. Non. Point, du tout. Genre, tu peux te retenir éternellement s'il faut, là. Ouais. Ben, au pire, je suis genre à moitié debout, là. Okay, ouais, moitié en squat, là. Squat, ouais. Ah, ouais. Moi, mettons, je suis dans la grosse marde. Les mains sur le bord d'un, là, du genre. Mettons, je suis dans la grosse marde, là, puis je. C'est là, là. C'est le connaisseur. Le laxatif vient de passer, c'est là, là. J'aime pas ça, mais je vais mettre du papier partout. Puis au pire, je vais être en squat. Exact, mais, okay. Mais là-bas, ça devient ta maison. Mais c'est ça. Mais là-bas, c'est pas une toilette chimique. Là, ça devient ta maison. Il y avait 3 toilettes. Ça aussi. Il y avait la toilette que vous nous voyez brosser nos dents. Qui était la toilette des gars. Okay. Mais que tout le monde pouvait y aller. Les gars allaient chier là. Il y avait la toilette en bas qu'on voyait pas. C'était une petite toilette normale, juste une toilette puis un lavabo. Tu peux fermer la porte. C'est ça. Que là, ben personnellement, j'allais pas chier là. Il y en a qui le faisaient, mais bravo parce que tout le monde va là, en bas, la toilette en bas. Ah. Et il y avait la toilette des filles cachée, pas de caméra. Que celle-là, on pouvait juste y aller une à la fois parce qu'il n'y a pas de caméra. Fait qu'ils peuvent pas entendre ce que tu dis et te filmer. Et là, c'était la toilette à caca pour les filles. Mais c'était aussi la toilette à espionnage parce que c'était un mur, un faux mur. Puis nous, on l'a caché à mi-saison. Son walk-in. C'est l'accès au walk-in des gars. Puis nous, on disait nos secrets là-dedans. Puis les autres étaient là, l'autre bord. J'étais à 4 pattes pour les mêmes. Est-ce qu'il m'entendait? Ben oui. Il entendait nombre de tout. Fois que j'entendais des secrets, puis les filles, ils savaient pas quoi j'ai entendu. Ils parlaient seul, puis là. Ça m'a fait chier, ça. Ouais, moi, j'adorais. J'étais comme, y a-t-il quelqu'un qui va aller espionner en haut? Ah ouais. Ça monte haut. Parfait. Bon. Puis à un il y avait un trou, fait que je voyais. Oh, ah, souvent, les filles passaient, puis on faisait des commentaires. On était juste en bas, ils ont dit, aïe, ça y fait bien, tu es belle, hein? Mais elle est l'autre bord, peine même. Si on s'en est rendu compte à la mi-saison. C'était malade. Oh non, hey, j'aurais 100% fait ça, je vis pour le drame. Ah, moi aussi. J'aimais ça, là. Puis à la fin, je checkais dans le trou.
là, c'est qui qui passe, c'est qui, là? Je voyais juste les jambes un peu, là, puis les poufs, parce qu'ils sont assis sur des poufs. Hey, j'entendais tous tellement là. Lui, il est en tabarnouche. Oh, c'est de la triche, là, non, mais t'as juste à parler plus moins fort. Je comprends, je peux comprendre. Tu dis des trucs en confidence, mais on parle à quelqu'un, puis quelqu'un t'écoute, là. C'est comme rendu en confidence, c'est filmé. En vrai, quand tu parles à tes amis, c'est pas des trucs que tu veux nécessairement parler avec ta blonde. Non. C'est vrai. Mais oui. Attends, après le podcast, ça veut dire c'est quoi tu dis à tes amis? Ouais, c'est vrai. J'avais des soupers, là, puis je disais à mon ex, je dis non, toi tu restes à la maison. C'est un soupers de fille, on s'en talk shit contre toi. OK. Ah! C'est important, ça fait du bien. Moi, j'avais une question confiance en soi parce que vous êtes toute la gang au gros soleil en maillot de bain à journée longue. Puis honnêtement, je me demandais, genre, ça t'arrivait-tu des fois d'être comme, hey, aujourd'hui, ça me tente vraiment pas tant de me mettre en maillot? Genre, je suis pas à mon meilleur, je suis bloated, je me sens pas bien, ou genre, ça te tente pas d'être en chest toute la journée, je sais pas. Ça arrivait-tu des fois que vous étiez moins à l'aise? Personnellement, c'est les jours de congé, j'avais mangé comme une truie, mais tu voulais être en maillot parce qu'il faisait tellement chaud, là. Ouais, okay. Comme, lui, il était quand même un peu plus habillé. Il avait tout le temps des souliers. J'étais comme, qu'est-ce que c'est avec tes souliers très bas? Non, mais moi, au début de la saison, j'étais plus en forme, je m'avais mis en forme. Là, j'ai dit, est-ce que je m'en... Genre, les gars s'entraînent, puis tout, tu sais, j'ai pas le profil pour aller en chess à TV. Mm-hmm. Mais t'es comme, mais non, c'est correct, puis tout. Ouais, j'ai comme, je vais m'entraîner quand même, là, tu sais, pour un peu de fierté. Ouais, si tu veux pas... Hey, mais fait que je suis arrivé quand même en forme, mais plus que la saison allait, tu sais, comme ils disent, quand tu tombes en amour. Tu sais. Mais ça, j'ai pris un peu de poids, puis là, vers la fin, j'étais comme moins à l'aise. Fait que j'étais souvent. Okay. Puis j'aimais ça mettre un maillot, puis des bas blancs, puis souliers. Okay. Je trippais là-dessus. Ouais. Fait que elle était genre, enlève tes bas, Mais là, moi, je suis dans la piscine. puis lui, il est assis sur son pouf avec une camisole, puis ses bas, puis ses souliers. Je suis comme. Est-ce que. Il se baignait pas tant. La question qui tue, est-ce que tu mets des boxers en dessous de ton maillot? Non. Seulement, non. Par mais est-ce que tu prends des maillots avec des mèches ou des maillots sans? Ouais, il y a un filet. Ouais, il y a un filet. OK. Ouais, okay. Je te demande la question parce que. Mais là, sans filet, sans boxeur, c'est le gland à l'air. Ben, ça puis en plus, avec de l'amour, c'est. En tout cas. Ouais, j'ai vu ça. Il y avait une bonne présence. À un moment donné, ils sont tous là, ils nous checkent. Puis moi, puis Laurent, on passe un moment dans la piscine, on se colle. Mais tu sais, pas rien de sexuel, mais on se colle. Elle laisse ses jambes là. Puis tu sais, là, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de relation sexuelle. Fait que là, tu sors pas tout de suite de la piscine. Puis là, notre nounou, elle colle dans le micro. Après, elle a dit, hey, checké, ben ça, Hugo peut pas sortir tout de suite de la piscine. Quand elle fait le riz, elle sort, moi, je suis là dans la piscine. Il est dans la piscine. C'est trop drôle. Ouais, c'est drôle. Hugo, il fait des jokes de Viagra, mais il en a pas besoin. Non, c'est ça. Calique. Ah, c'est nice. Fait que t'avais, ça t'arrivait pas, toi, de. Ben, tu disais quand tu mangeais comme une truie, peut-être. Ouais, mais... ben, je te dirais plus que le show avançait, plus j'étais comme, waouh, j'ai grossi, hein. Ah ouais? J'étais comme, waouh. Mais tu sais, en même temps. Est-ce que ça paraissait mais pas à la caméra? C'est ça. Non, zéro. Comme quand je me regarde maintenant, je suis comme, ça paraît pas. Puis quand tu sors, là, on a pris, là, clairement. Mais il y avait pas de journée, j'étais comme, astique, je suis dégueulasse, je veux pas. Ouais, genre, ok. Non, ça n'est pas arrivé, mais tu sais, on se compare beaucoup aussi entre filles. Là. Ben, c'est sûr que oui. Là, hey, Kim est grosse comme ça. J'ai pas le même chef que Kim, mais on est tous les deux belles aussi. Ouais. Mais c'est vraiment différent. Fait que là, tu te compares, puis t'es comme... Mais là, tout le monde est belle à leur façon, puis tout. Ouais. C'est juste que ça te rentre dans la tête, c'est tough un peu. Oui, je comprends. C'est quoi votre réaction à vous par rapport quand vous avez révisionné les épisodes? Puis là, vous vous êtes vus. Y a-t-il des moments où vous étiez comme, aïe, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais moi, ça me malaisait profond. Ouais. Mais surtout mon portrait, parce que quand j'ai fait mon portrait, j'étais pas à l'aise. Okay. J'étais en. Parce que là, ils m'ont dit, tu sais, là-bas, tu peux pas fumer. Parce que moi, je vapais beaucoup. Là. OK. Ils ont dit, tu peux pas fumer. J'ai dit, OK, ben là, je vais mettre tes patchs. Puis je vais tu arrêter fumer quand tu veux. Ah, c'était ça, tes patchs au début. Ouais. Hey, je me posais la question. Là, ils m'ont dit, c'est pas esthétique, mets-toi ça ailleurs. Ouais, OK. Mais à l'entrevue, j'avais mis mes patchs sur les fesses, puis ça fonctionne moins bien. OK. Puis moi, vu que j'ai un gros TDA, quand j'ai pas ma nicotine qui était mon stimulant pour m'aider à me concentrer, ben là, j'étais complètement dans l'une. Ah. Ils me parlaient, puis là, j'étais là. Là, genre. T'as plein de monde. C'est la première fois que tu fais ça. Il y a des caméras. Questions, t'es stressé. Il y a à peu près une trentaine, une quinzaine de personnes dans le. Ouais. Ils te regardent tout, dire comme, quelque chose que tu sais même pas quoi dire toi-même. Elle te pose des questions, puis là, donne un show. Là, donne un show. Show hein, non, mais tu sais, faut. C'est quoi ton genre de fille? Quel genre de gars que t'es? C'est gênant. Puis le résultat final, j'étais sûr qu'il allait être mauvais parce que j'étais tellement mauvais. Puis je suis revenu chez nous, je suis comme, je peux pas aller à ce show-là. T'étais tellement lésant de checker ton profil. Ouais, là, j'ai checké, j'étais genre, hey, ça n'a pas d'allure. Mais même encore, il check, puis il est comme, enlève ça. Ah, ouais. Tu sais, un rire, mais pas un vrai rire. Un rire, genre, c'est ce que je fais ici. Mais
les portraits, c'est fait pour être extra, dans le sens que... Oui. Oui, c'est moi, mais j'aurais jamais dit ça dans la vie tous les jours. Puis ouais, le monde, je pense qu'ils le savent. Puis, tu sais, c'est pas... Ils mettront pas un profil de... Bonjour, je m'appelle Laurie, puis je fais des cils. Comme, c'est ouais. zéro palpitant, là. C'est, ouais. Tu veux des personnalités fortes, tu veux voir à quoi qu'elle va ressembler. Fait qu'ils mettent tout dans l'extrême. Ouais. Ils veulent que ça punch aussi. Mais comme moi, j'avais parlé que j'étais en date, tu sais, ou que je m'en allais en date, je m'en souviens plus. Ouais. Puis là, dans pour le retrait, justement, tu sais, moi, je date beaucoup, j'aime ça d'être. Ouais. Mais c'est vrai, mais tu sais, tu le genre d'affaires que tu. Quand tu te présentes, tu dis, on s'en calisse. Tu veux être date, le gars qui est tout le temps en date. Puis ouais. Ouais, je comprends. Genre, oui, je date, j'aimais ça, mais je me définis pas comme un dater. Là, mais lui, il te pose la question, ça te prend une réponse. Ouais, là, c'est comme moi qui ben, je veux dire ça, puis c'est fait. Là. Ouais. Toi, c'est fini, tu passes à d'autres choses, mais pas sûr, il joue. Mais tu sais, quand là. Tu rencontres quelqu'un, il va pas dire, ah, moi, je suis un dater, j'aime ça dater. Tu vas sur une date avec quelqu'un, puis ah, ouais, j'étais sur une date hier, puis avant hier, puis t'es comme, OK. C'est cochon. Mais tu sais, dans tous les cas, je pense que la majorité des gens qui ont vu votre profil, ils ont vu aussi le show, puis ils ont vu votre vraie personnalité comme ça. T'as le temps de t'expliquer un peu, puis de montrer ouais. t'es qui, mais c'est je te dirais que les deux la première émission, j'étais de même. Oh, je ouais. m'écoutais parler avec le chien et la liste, là, puis j'étais comme... Ta gueule! Ah, tu sais, il y a aussi le côté un peu... tu sais, comme moi, mettons, je suis vraiment sensible, mais ça, je le montre pas à personne. Fait que là, okay. au début, t'es comme... Tu fais tout le temps des jokes. Ouais. Tu sais, là, t'es... Il y a comme s'il n'y avait rien qui te dérangeait, mais là, plus que la saison avançait, plus que là, le monde était comme Chris, il est sensible. Ouais, exact. Fait que, tu sais, ils ont vu la vraie personne. Ouais. C'était le fun de nous voir. Comme au début, j'étais comme, ah, oh, c'est pris ça avec malaisant à me regarder à la TV, je vais m'entendre parler. Finalement, j'ai même pas regardé ça. À part le premier épisode, j'étais comme, ah, ok, gna gna. À la fin, j'écoutais l'histoire. Je checkais vraiment comme le contenu, là, et non. Ouais. Le contenant et non le contenant. Parce que vous avez tout ce que vous avez vécu, mais vous voyez en même temps ce que vous avez peut-être pas. Vous avez entendu les filles parler, les gars parler de, mais là, vous le voyez. Parce que et nous, voilà. on voit et on entend ce qu'on voit. Ouais. Mais il y a des choses qu'on n'a pas entendues. Mais ce qui a été filmé, on ne sait pas, mais là, on le sait tout. Ouais. Là, tu comprends les affaires. Ah, là, c'est pour ça. Oui. T'es comme, là, c'est valide ce qu'il a dit. Ah. Puis là, t'as la réunion après où il a dit, tu vas, on l'a vu avant que ça arrive ce matin, en plus, parce que moi, j'ai binge-watch les épisodes, la gang. Ben oui. Ah ouais? J'ai même pas fini la saison jusqu'à la fin, mais on a écouté le speed de vérité, puis ça, puis genre, j'ai écouté comme le trois quarts de la saison, OK? Je me suis forcée. Puis, mais pour vrai, on écoutait ça le matin, puis j'étais comme, oh mon Dieu, Karine, elle me parlait des fois, puis j'étais comme, Karine, tchut, tchut, ah, tu viens tellement investi, là, qu'est-ce qui va se passer, le popcorn, elle, elle a dit quoi? Oh my god, de pisse, je suis de son bord. Genre, ouais, c'est clair. Mais c'est ça. Puis t'es dans un monde beaucoup, là, genre tu vois pas l'extérieur, fait que t'es dans une bulle, c'est ta vie. Là. Fait que c'est pour ça que t'es intense. Là. Même Kim, elle me l'a dit, t'es dans main fucké de péter une coche de même. Mais non, Kim, c'est ça. Là, là t'es comme, Laurie, tout le monde nous aime à l'extérieur, je comprends pas pourquoi tu parles de même. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, ouais. Parce que t'avais le souper de vérité, t'avais le souper de règlement de compte. Puis là, t'es comme enfermé pendant 8 jours, tu vois juste ça. Fait que là, tu te primes, tu sais, surtout. Mais là, les autres, ils étaient sortis, eux autres. Les autres, ils étaient sortis. Ils étaient retournés, là, Kevin. La réalité, eux autres. Ouais. Édouard, puis Kim, ils étaient sortis c'est pendant une ou deux semaines, puis sont revenus. Ah. Fait qu'ils ont vu c'était quoi la réalité, ils ont eu le temps de débuzzer, pas nous. C'est ça qui a fait la différence. T'es encore sur la grosse adrénaline. Et voilà, show, pour ça que je pétais un esprit de coche. Je comprends. Je comprends. Mais c'était pas super. J'ai vu P. J'ai vu P. Je suis d'accord que c'était pas super non plus. Y a-t-il des trucs que, genre, en sortant de l'émission, vous avez appris l'un sur l'autre que vous auriez jamais su dans le contexte de l'émission? Ben, Laurie, quand elle pète, ça sent pas tant mauvais. Wow! C'est puis lui, il sent la grosse merde. J'ai pas pris. Ça sent pas tant je m'attendais pas à ce que ça te l'épée. Wow! Mais non, lui, c'est le cadeau, ça sent le cadeau. C'est comment de vous revoir dans votre contexte familial? T'sais, parce que vous êtes dans l'émission, vous êtes toujours ensemble, puis là, vous retournez à la vraie vie, dans votre contexte familial, vos amis. Pis ben ça, moi, c'était un côté un peu plus difficile à aller de l'amour parce que, mettons, en dating ou quand j'ai des relations, ma famille, c'est comme un plus deux. Okay. Il y en a que c'est comme un moins deux. T'es comme, oh, pas, je vais pas les présenter tout de suite. Mais moi, c'est comme, let's go, j'ai présenté ma famille. Mais surtout qu'ils nous connaissaient déjà. On les a vus, puis on leur a parlé. En... Ils nous connaissent déjà. Fait que c'est comme si on les connaissait. Okay. Ouais. Ouais, ils parlaient. Sa mère, justement, la première matinée, elle rentre dans la chambre, elle s'assoit sur le lit. Mais là, tu sais, moi, j'étais genre, oh shit. Okay. Mais elle me connaît, Hugo, tu sais. Ouais, elle me connaît, mais moi, je la connais pas, là. Ouais. Fait que pour ça, première journée qu'on était atterri, on a été dans la famille, là. Fait que c'était pas. Mais quand on est arrivé de l'avion, nos deux familles étaient là. À l'aéroport. On est toutes allées chez Laurie. Ouais. Les deux familles. Ouais.
Ma mère et sa mère, ils s'appelaient durant le show. Ben oui, on dort. À la fin, là, ils s'appelaient. Ah. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Tu penses-tu que c'est ici, c'est ça, là? Oh, ils étaient tout cute, là. Oh, les deux stressaient. Parce qu'après, l'appel à nos parents, tu sais, que mes parents avaient un chandail fermé, les portes sont fermées. Ouais. Genre, en tout cas, ils ont parlé, puis on a su que, genre, il y avait quelqu'un qui avait répondu à un commentaire. Sur Facebook. Fait que là, ma mère, c'est comme, ah, ben là, je vais l'appeler, tu sais. Mais mon père voulait l'appeler, mais là, mon père, il dit, ben, appelle-la. Ça va être bizarre, là, tu sais. De femme à femme. Ouais, c'est ça, femme à femme. Mais je fais que j'en comprends que vos deux familles s'aiment beaucoup. Mais oui, ils sont contents de votre match, tout ça. Vraiment. Nice. Oh. Fait que vous avez pas le droit de vous laisser maintenant. Non, c'est interdit. Non, c'est ça. Puis ils nous ont très bien accueillis. Puis autant comme ma mère elle aime comme si c'était son gars là. Puis même chose là. Ses parents, c'est comme mes parents là. Mais oui. On est tout ensemble. Puis. Puis là pour la suite, mettons là. Puis toi, mettons, t'étais aux études avant de faire le show. Puis qu'est-ce qui se passe maintenant? T'es-tu retourné aux études? En fait, j'ai fait mon deck en sciences humaines. J'avais terminé. Ensuite de ça, j'étais allée faire mon DEP en esthétique. Okay. Mais j'ai quitté pendant l'année en mai. Tu parlais de cils tantôt, c'est ça que tu ferais plus après. Comment? Tu parlais de cils tantôt, c'est ça? Ouais, ben en fait, c'est ça. Mais les cils, j'en ai toujours fait un peu chez moi. Okay. C'est ça, je faisais de l'esthétique, je faisais des cils. Puis là, je me suis dit, ben je vais aller là-dedans. Mm-hmm. J'ai fait mon DEP en esthétique. Puis là, j'étais comme, j'aime ça. Finalement, j'ai quitté pour l'île de l'amour. Puis j'ai fait, tu sais quoi? M'a pas le finir. Ça donne juste un papier en tant que tel. J'avais beaucoup de connaissances déjà. Fait que j'étais juste comme, c'est pas pour moi. J'ai fait l'île. Je suis revenue puis j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais bien faire que j'aime aider le monde. Je ferais pas de l'esthétique toute ma vie. C'est trop drainant puis dur pour le corps. Là. J'avais déjà des blessures puis tout. J'étais comme, j'aime aider le monde. J'aime l'esthétique. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mélanger les deux? Fait que dans le fond, je me suis inscrite en DEP. C'est un des côtés charmants de l'orgue. C'est quand même un petit moment, tu sais. Oh. À Lille, c'était le fun. Après, soin de toutes les filles puis des gars. Ah ouais? T'as mal à la tête. Oh, mais on va donner des Tylenol. T'es comme la nounou numéro 2. Ouais. Genre, les nounous l'aimaient parce qu'elle était à l'heure, tu sais. Okay. Ouais. Là, ça ne prenait pas 20 minutes de brosser dents. Non. Le matin, je me maquillais pas. J'étais la seule fille qui allait manger, je me maquillais pas. Okay. C'est ça que j'aimais aussi de Laurie, c'est que. Au tapis rouge, moi, une fille qui est femme overdress, comme vraiment bien maquillée, je trouve ça beau, mais on dirait que c'est comme, tu sais, dans la vie de quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est pas ça que tu vois vraiment. Ouais. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé parce qu'on dort ensemble première nuit, j'ai fait comme, mon Dieu, t'es bien belle, j'étais genre, merci. Ouais, j'ai vraiment fait, c'est là que j'ai fait comme, c'est naturel, en fait. T'es pas hype maintenant, c'était vraiment, t'es capable d'être. C'est ça, vraiment. Puis là-dedans, comme, t'avais comme pas le choix, là. Ouais, c'est ça. Démaquillé pour aller faire dodo, là. Genre, je pense pas qu'il y ait personne qui reste comme dormir, maquillé. Bref. Ouais, vous aviez ma petite routine avant. Je fais ça des fois, c'est pour ça que j'ai des boutons. Mais voilà. Fait que c'est ça, je me suis inscrite avant de partir. Puis je savais pas si j'allais être pris en soins infirmiers. Ok, cool. Puis dans le fond, vers la fin, c'était à la date de savoir. Puis là, j'ai dit à prod, je peux te savoir, tu sais. Vous pouvez-vous aller voir sur mon courriel, voir si j'ai été choisie. Comme de fait, j'ai été choisie, c'est mon mère qui me l'a dit quand on a fait l'appel FaceTime. Merci. En plein appel, en plus. Rita a été prise. Ah, oh, yeah! Là, tout le monde était full contact. T'es genre, oh my God, bravo. J'étais plus content qu'elle. Ouais. T'es comment, tu te rends compte? J'étais comme, ouais. Parce que je l'imagine vraiment comme... Mais tu sais, esthétique, soins, aider les gens, là, vraiment. Ouais, c'est ça. Je m'en viens là. Fait qu'infirmière pour aider les gens. Autant que j'ai déjà travaillé à l'hôpital, j'adore les petits vieux, j'aime ça, comprendre comme qu'est-ce qui se passe. Autant que j'aime l'esthétique. Fait que j'ai dit, ben, regarde, je vais mélanger les deux. Je vais être infirmière en médico-esthétique. Nice. Pour injecter du botox et tout. Okay. Hey, ça, apparemment, c'est les meilleurs jobs ever. C'est genre, t'as du fun, t'as pas des cas compliqués, tout le monde est content de venir te voir. C'est ça. Mais y avait-tu un lien avec le fait que tu disais que t'aimais les vieux? Non, j'aimais les vieux pour les aider. Ben, les vieux peuvent venir se faire du botox. Exactement. Ben oui. Ils essaient d'y aller avant. Et voilà, à 25 ans, il faut venir. C'est ça. Ça a l'air que c'est avant 25 ans qu'il faut commencer. Ouais. Non, mais je savais pas, moi, ça. Ah, OK. Moi, je sais, j'ai entendu ça, mais moi, je suis fucked, là. Okay, j'ai commencé, fait que... Du botox? Yes. Pas botox. Des soins dans la peau? Non, mais j'ai commencé à faire attention à ma peau à genre 22. OK, ouais, j'ai commencé à faire attention. Il y a beaucoup de préjugés encore, là. Tu sais, même, mettons, sur le pont, je parle de ça, ils vont faire comme, ah, mon Dieu, le monde qui ont du botox, mais c'est un peu pour ça que je m'en vais là-dedans, parce qu'aux États, puis
c'est normalisé un peu plus. Mais ici, ça commence un peu à monter en popularité. Puis justement, je veux avoir ma clinique, puis je veux rendre ça un peu plus comme « Hey, tout le monde va faire ça finalement, là, au final. » C'est normalisé. C'est normal. Là. Puis si tu veux te faire faire les boules, ben refais-les. C'est ton corps. C'est ce que tu veux, dans le fond. C'est ça. Fait que, autant que ça reste... OK, tu vas avoir la fin, c'est correct, vas-y. C'est ça. C'est ton corps choisi. C'est comme les tatous, un bout, ça a été mal vu, mais hey, c'est un tatou. Ah oui, à ce moment-là. On a fait un épisode avec Caro, justement, puis une partie de l'épisode où on parlait de seins, parce que Karine, elle a fait une réduction mammaire, puis Caro, elle a fait une augmentation mammaire. Puis on parlait de ça, puis je vous jure... Hey, les commentaires. Les commentaires. Là, puis d'habitude, nos épisodes, en règle générale, pour vrai, on a des super bons commentaires, les gens apprécient le contenu et tout ça, puis là, c'était comme... C'est polarisant, c'était Gaëtan, puis Gaëtan, là, qui était en train de dire, genre, « Ah, ouais, je compte une menthe, non, non, parce qu'on parlait de modification physique. » En fait, ça va jusqu'aux insultes, là, carrément. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu parles de genre, t'es con, t'es ci, t'es ça, c'est fou, là. What the fuck? Tu sais, genre, on faisait la comparaison, j'étais comme... Excusez, j'ai plus de voix, là. On faisait la comparaison, je sais pas pourquoi. Bref, de comment qu'il y a un jugement par rapport à l'augmentation mammaire que t'as pas nécessairement avec la réduction. Non. Puis là, on pose ça sur les réseaux sociaux, puis... Tellement de monde dans les commentaires sont comme c'est parce que c'est tellement pas pour la même chose, puis genre les réductions c'est pas esthétique. Non, non, non. J'étais comme gang. Ma réduction était 100% esthétique. Mais c'est ça. Ouais, mais c'est pour les mal de dos. J'avais puis pas même mal à dos. Ça, genre, c'est que ça fait. Ouais, ouais, c'est. Puis oui, je suis d'accord à un certain degré que oui, le pourcentage est plus élevé que. Mais comme à ma année, là, pourquoi t'es fâché? Pourquoi ça vient te chercher comme ça? Ils sont jaloux. Le monde sont jaloux. Ouais, on dirait que moi, j'ai déconnecté de ça. Solide. Ouais, ben le fait de faire l'émission, tu sais que tu vas avoir des commentaires négatifs puis des positifs. Ben, oui. Ouais. Maintenant, là. Mais quand t'es lit, là, au début, comme là, vous êtes habitué, mais au début, tu reviens puis là, t'es voix pour la première fois, là. Comment tu regardes? On dirait qu'on était. Moi, j'étais tellement préparé. Ok. J'étais tellement stressé avec ça. Ouais, mais tu te rappelles. Toi, t'étais plus fâché que moi. Elle lisait des trucs sur moi, elle était plus fâché que moi. J'étais comme, gars son profil. Mais c'est frustrant, mais ils nous disent de pas focaliser là-dessus, puis pas focuser, puis que c'est des personnes en arrière leur écran, puis tout. Puis que si on stresse là-dessus, ben on va stresser sur tout. Mais ouais, au début, c'est ça, tu lis ça, puis t'es comme, hey, moi, ils me traitaient de trouble psychologique, de personnalité, puis tout, j'étais genre, ah, ouais. Ah, ouais, ah ouais, j'ai un ouais, je m'en rappelle. En tout cas, il y avait un article. T'as des diagnostics complets, ouais. Là. Le riz. Il y a beaucoup de médecins, là, qui derrière la clavier. T'es comme, hey, une traite de folle, quasiment. Ah ouais. Ça t'arrivait souvent de rentrer dans une loupe de juste. Tomber, comment au début, oui. Le rabbit hole de regarder les commentaires. Au début, oui, beaucoup. Mais quand tu reçois ton sel, tu t'en repas. Ouais. Oh, ouais. On le recevait là-bas. Non. La veille quand avant on partir. A su qu'on a gagné, on l'a reçu. Après le réglons vos comptes, là, ils sont comme OK, on vous donne vos sels. Hey, les messages en attente sur vos sels, ça doit être l'enfer. 200. Tout est 9 Facebook, 200 Instagram. Tout est loadé. Ouais. Puis aussi, j'ai pris mon sel. J'ai comme, mon Dieu, il est bien lourd. Ouais. Il est bien gros. Il est ben... Oh, ouais. Parce que ça fait longtemps que tu l'as fait. Deux mois. Je le prenais, j'étais que c'est bien gros. Genre, vraiment, ton cerveau, il. Hey, moi, j'ai vu son fond d'écran. J'ai fait, ah, c'est quoi ton code? Ah, c'est quoi ton code? Non, mais il faisait son code. J'étais comme, oh, je viens de voir ton code. Là. Moi, je savais même pas son nom de famille. Non. C'est oh, my God. Hey, on va s'ajouter, tu sais. Le riz de l'île de l'amour. Elle m'a appelé. Parce que. Quand on était deux maisons, elle m'a appelé. Mais explique, parce que dans le fond, quand on a gagné, on a fait un. Avec Amanda puis Jacob, un live. Okay. Puis moi, dans le fond, ils m'ont envoyé dans leur Airbnb de gars pour filmer le live. Puis après ça, le petit chauffeur m'a ramené dans mon Airbnb avec mon... Mais moi, j'avais pas mis mon téléphone. J'étais la seule. Les gars, ils l'avaient tout. Fait que lui, il textait sa famille. Moi, j'étais comme, oh, j'ai 25 minutes de route à faire, pas de téléphone. Ouais. Quand je suis arrivée, il dit, là, texte-moi en arrivant. Puis il est comme, oh, c'est bizarre de dire texte-moi. Ouais. On s'appelait. C'était tellement malaisant quand on s'écrivait au début. J'étais genre... Ah, je sais pas quoi il dit. C'est pas naturel. Ah, non. Mais on s'appelait FaceTime. Allô? Parce qu'il y a une nouvelle relation. Ça commence tout par texte. Et voilà. Weird, j'avoue. Tu vois déjà une facette, puis tu la connais. Mais là, c'est complètement l'inverse. Ouais. Tu la connais, puis après ça, tu vois ses réseaux. C'est fou. C'était bizarre. Est-ce que ça a affecté votre relation avec votre téléphone après? Parce que là, c'est sûr que vous faites plus de création de contenu, fait que j'imagine que tu reprends ton téléphone pas mal. Ouais. T'as un poison. Ah ouais, c'est sérieux, comme pire que on voulait pas, ouais. Mais pour un mais TDA on n'a pas le choix. Aussi, ah ouais. Pour mon TDA, ça m'aide pas, mais j'ai du plaisir à faire ça. Ok. Quand tu tombes dedans. Ouais. Mais tu sais, des fois, on dirait que j'aime mieux activer ces réseaux que juste regarder les réseaux. Ouais. Si, ouais. Vois, si c'est chill, si c'est pour faire du contenu et du montage, c'est correct, mais arrête d'aller niaiser un peu. Ouais. Ça, je trouve qu'on est moins...
porté à aller niaiser puis checker l'actualité. On est plus porté à faire des affaires qu'on doit faire, le montage, publier ici, texter lui, arranger une collab, nanana, que niaiser puis faire rien. Là, t'as l'agent, t'as ci, t'as ça. Ça arrête pas, pour vrai. C'est ça. Ouais, fait que côté téléphone, c'est gossant, mais parce qu'on a comme pas le choix. Right. Ouais. Hugo, t'as mentionné une couple de fois ton TDA. Comment t'as trouvé ça? Pas de cellulaire, pas de vape, t'arrives là. Je veux bien croire que t'avais des patchs, mais t'en étais pas genre, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est drôle parce que les patchs dans le confesse, ils me disaient, tu sais, des fois, ça arrivait qu'avec l'eau, elle tombait ou en tout cas, whatever. Tu sais, j'étais un petit peu comme un petit sevrage, mais mon sevrage, j'ai pas comme, j'étais pas irritable, rien. J'étais juste. Genre lunatique fois mille. Okay. Fait que là, me posait des questions, je suis là, je partais. Je disais, excuse-moi, on va revenir tantôt, je vais aller mettre une patch. Je partais en courant, mettais une patch, je revenais comme 30 minutes plus tard. Okay. Ah, OK, là, ça part. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça t'aide à ce point-là à focus. Ben, ouais, je suis vraiment, c'est un stimulant, hein. Je pense qu'il y a une cotine. Ben, c'est un stimulant. Fait que, je pensais que c'était un relaxant, la nicotine. Mais je connais pas tant ça. En tout cas, moi, j'ai à peine fumé plus jeune, mais j'en fumais des cigarettes quand j'étais seule. Ou je fumais des cigarettes, genre, en tout cas, pour être cool. Puis je fumais des cigarettes comme ça, puis genre, j'avais un high, là, aussitôt que j'ai. Puis je sais pas si tout le monde a un high aussi intense à chaque fois. Moi, j'étais comme hyper, là. J'étais, ah, là, j'ai une fumée de cigarette. Mais peut-être quand t'as zéro tolérance. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Mais non, pour moi, ça a commencé avec le tabac, quand j'ai joué au baseball longtemps, tu sais. OK, en Floride, tout ça. Puis là, je le fais parce que c'était une gang. Tu sais, j'étais plus jeune avec les plus vieux. Dans le baseball, c'est très... Ouais, très oui? Surtout aux États-Unis. Pourquoi? Y a-t-il une raison qui... C'est ça qui m'expliquait, je capote. Ah ouais? Ben, tu sais, j'imagine... Tu sais, si on retourne un peu dans l'histoire, j'imagine les gars, ils fumaient, tout le monde fumait. Ouais. Mais sur le terrain, tu pouvais pas fumer, fait qu'ils ont trouvé des alternatives. Ah, OK. Ben, parce que tu mets ça là, puis ça reste là pendant que tu joues. Fait que c'est comme une culture. Tu sais, là, c'est ce qui rentre le plus dans le sang. C'est comme si tu veux... T'as mal à la tête, tu prends un Advil, tu l'énoles, tu laisses pondre en dessous de la langue, là. Tout ce qui est gencive, ça va direct, là. OK. Fait que là, c'est direct dans le sang. Ouais. Quand t'es pas habitué, d'habitude, tu vomis, t'es étourdi. Oh, wow. Fait que c'est ça qui est arrivé en Floride, là. Ah, ouais. Puis là, le lendemain, je peux-tu en avoir d'autres? Tu sais, fait que là. Fait que t'as pensé de comme rien à tout. Ouais, tu fumais-tu avant de commencer à chiquer? Non. J'avais 14 ans. Je voulais juste être accepté par la gang de plus vieux. Hey, faut juste que je plug, là. À un moment donné, je suis allée sur une date avec un gars, il était tellement beau, là, tellement beau. Puis dans date. Dans le restaurant. Crachait dans sa bouteille. Bouteille transparente. Je chiquais son tabac, là, crachait. À chaque fois, là, hey, j'étais dessus. Dégoûtée, là. Ils font tout ça. Mettons, quand on était à l'école, on faisait tout ça. Ah ouais? Mais à la limite, tu peux être style, puis tu peux prendre une bouteille qui est comme ça. Mais au restaurant, ouais. Au restaurant, là. Mets ça dans le parking après. Puis en date, c'est ça, en date, là. Tu niais ici, genre, tu as vraiment des beaux yeux. Parce que, genre, hey, tu niais ici, ouais, c'est noir, hein, c'est brun, là, quand tu craches. Ça donne pas le goût de Frenchy, mais ça donne pas de goût de Frenchy. Oui, il doit avoir un petit goût. Je te confirme que je n'ai pas Frenchy cette soirée-là. Mais moi, j'en prenais juste au baseball. Parce que, justement, je voulais pas que ça déborde, là. Mais ça débordait. Mais des fois, j'avais hâte d'aller au game pour ça. Oui, c'est une addiction. C'est un peu comme à Manny, t'es genre, ah, je sors à soir, puis je vais commander mes drinks. C'est le même principe que t'as hâte d'avoir ce feeling-là. Oui, c'est ça. Oh, puis là, les projets qui s'en viennent pour toi, Hugo? Mes projets qui s'en viennent, ben, tu sais, là, moi, je suis. Je travaille en construction en génie civil au pont Jacques-Cartier. OK. Ça fait environ 7 ans que je travaille là-dessus. J'ai fait le pont Champlain, j'ai fait une couple de gros projets de Turcot, le REM. Puis là, avant de partir, j'avais... Mais la vraie affaire, c'est que je fréquentais une fille. Jamais content à l'heure. Ah, il va y avoir une discussion dans le chat tantôt! Je t'écoute. Je sais même pas de ce qu'il va dire. Non, mais c'est pas si croustillant que ça. Mais non, mais si fondant. Croustillant fondant! Comme Audi. Comme Audi dit. Ouais. Ce gars-là, il avait fait beaucoup d'auditions. Croustillant fondant, moi, je l'ai vu souvent à travers les années. Il avait, ben, je sais pas combien il en a fait, mais je me rappelais, ça m'avait marqué. Tu sais, quand il monte les entrevues, puis je me rappelais de ce gars-là qui avait dit ça, croustillant fondant. Puis là, j'étais comme, c'est dans mon hot. Fait que là, quand je l'ai vu arriver cette année, juste avant, chez lui, il a dû persister jusqu'à temps que la prod, il se dit, c'est bon, on va lui donner une chance. Au moins, son mot, il est resté. Ouais, il est connu pour ça. Correct. Fait que je fais quand... Non, mais... Je voyais une fille de Québec avant à Lille, peut-être un an avant ou un petit peu, peu importe. Puis elle, son ex était barber, puis elle me contait un peu tout ça. Puis je suis comme, ah, ça a l'air intéressant, tout ça. C'est que là, le vrai déclic s'est fait. Je suis comme, ah, tu sais, je suis artistique, j'aime ça, j'en sais avec le monde, créer des liens.
j'ai un petit côté entrepreneur aussi. J'avais ma business en construction aussi. Fait que là, j'étais comme à... Fait que l'idée est venue de là. Ouais. Ça fait combien de temps? Mais là, j'avais mon salaire. C'est quand même un très bon salaire. Je suis quand même chanceux pour tout. Mais là, je me suis dit, après l'île, j'avais le following. Je me suis dit, OK, let's go, on le fait. Fait que la transition va se faire très tranquillement. Là. À partir de novembre, je vais être à temps plein dans un barbershop. J'ai plusieurs offres. Ouais. Oh oui. Mais t'avais-tu à la base comme une écœurantite de ce que tu faisais avant ou t'es juste comme ah, j'ai une opportunité? Non, ça allait vraiment bien. J'étais contremaître tout au pont de Jacques-Cartier. Mais quand je suis revenu, j'ai réalisé il y a certains trucs que j'aimais pas, que je savais pas. OK. C'est en revenant que je l'ai su que j'aimais pas ça. Ah oui. Parce que là-bas, on rencontre plusieurs personnes. Juste rencontrer la psychologue, jaser. J'ai eu un gros cheminement. Tu parles-tu de l'entourage, les gens avec qui tu travailles? Non, plus la job en tant que telle. J'étais comme, il y a beaucoup de choses qui ne me rejoignent pas. J'ai un potentiel. Je veux juste comme... Mais c'est parce qu'il est trop artistique pour faire une job plate. Mais c'est pas plate, mais c'est très organisé. Je comprends. Il peut pas sortir. Il n'y a pas ton côté créatif. C'est ça, zéro pantoute. Je comprends. Tu sais, j'aime ça. Je le comprends. Beaucoup dans le développement personnel, genre monter peu importe quoi, mettons un business ou mon anxiété, mon TDA, puis tout ça. Mm. Mais là, c'était juste un job que, genre là, j'étais rendu contre un maître, puis on dirait que j'avais comme plus de challenge. C'était le même tout le temps, puis c'est ça. Tu pouvais pas t'épanouir. Non, c'est ça. On dirait que là, j'ai envie de. J'ai une idée, je le fais. Ouais, c'est ça, tu peux l'accomplir, puis là, en plus, t'as comme le tremplin pour. Ouais, exactement. Est-ce qu'en tant que TDA, tu trouves que tu veux. T'es genre jamais satisfait, peu importe quoi, là. Tu veux tout le temps plus, puis même quand tu l'atteins, tu veux encore plus. J'ai un petit peu de ça, ouais. OK. Ouais. Mais souvent, c'est comme 2 ans après. Exemple au baseball. Parce qu'on dirait que quand je fais quelque chose, tu sais, j'ai eu certains succès, mais tu sais pas. Mais certains succès que certaines personnes vont être vraiment fières, mais moi, on dirait que c'est fait, c'est quoi le prochain? Ouais, là. Next. Mais c'est 2 ans à peu près. Comme mettons les Jeux du Canada, c'est 2 ans après, j'étais comme crème, c'est hot, j'ai fait ça. Mais quand j'étais là, c'était normal. Plus t'atteins ces objectifs-là, plus ton prochain objectif est comme élevé dans ta tête. Dans un an et demi, tu vas être comme fuck, j'ai gagné l'île de la tabou. C'est vrai, comme là, on dirait qu'on est dedans. Ouais. Ouais. Mais sûrement que dans 2-3 ans, je vais genre faire comme hey man, c'est hot. Mais oui, c'est ça. On le réalise pas nécessairement, là. Oui. On parlait de ta formation de barbier que tu fais actuellement. Puis tu vas, en novembre, tu vas avoir un poste à temps plein barber. Ouais, attends, je sais, en novembre, je vais être décembre, peut-être plus décembre là, à temps plein au Barbare à la Prairie. Cool. Fait que là, t'es ouvert pour les. Est-ce que tu veux commencer à prendre dès maintenant? Parce que je suis sûre, si t'annonces ça, at large, tu vas avoir des bookings dès maintenant. Ben, c'est sûr que je suis ouvert à ceux qui veulent prendre un rendez-vous. Mais je suis vraiment minutieux. Mais je pense que c'est ça, je disais un peu avant. Je suis vraiment à bonne place parce que je suis minutieux, j'ai un petit côté artistique. Puis je suis vraiment sévère avec moi. Comme ça, ils me disent, OK, pour vrai, c'est vraiment sa coche, tu commences. Là, il est vraiment bon pour vrai. Là, il a fait quoi? 3 personnes toutes seules, puis je suis comme. Ça vient. C'est bon, à chaque lundi. Tu fais-tu des fades? Ouais. Ben oui, des fades. Mais je suis vraiment bon avec les ciseaux. Tu sais, souvent, un barber, ça va être négligé. Le dessus, ça va être genre. Puis ça va être ça. Ouais. Mais tu sais, il y a des coupes, il y a plusieurs façons de faire. Ça, c'est un excellent point. Tu sais, je t'avais dit, moi, je suis accro là, au barber, puis je vais aux semaines. OK? Je vais au barbier aux semaines. Parce que les gars, c'est le seul moyen d'être beau, genre. Oui, mais c'est ça. Les ongles, mais les gars, c'est les cheveux. C'est exactement ce que je disais à ma blonde. J'étais comme, pour moi, les cheveux, c'est comme mon make-up, genre. Tu sais, je mets pas de make-up, fait que je sors du barbier, je suis comme, on est là, on sort. Tu sais, la différence, tu vois des vidéos des fois là, de gars avant, après le barbier, genre littéralement, tu passes d'un gars, tu l'aurais pas regardé deux fois, puis là, tu passes à un gars, justement, le fade, la belle barbe, toute droite. Je sais pas si vous avez écouté Survivor, là, mais en tout cas, moi, là, ma réaction à la fin, parce que il y a certains des candidats qui, à un moment donné, ils switchent de côté, là, ils deviennent juges, ou je sais pas trop quoi. Okay. Puis il y en a une couple, je me rappelle pas des noms, mais tu sais, tout le long de l'émission Survivor, tu sais, la barbe pousse, ils s'arrangent pas. Puis là, ils reviennent, mais arrangés, j'étais genre, ça change une personne. La différence que ça fait sur une face, c'est fou. Là. Ben oui, juste les gars qui ont une barbe, là, ça peut. Ça n'a pas de bon sens comment ça change une face. Ouais. Mais si elle est bien taillée, arrangée. Ouais. Hey, bien taillée, tu peux inventer une jawline que tu n'avais même pas. C'est fou. Qu'est-ce que ça allait dire? Mais je ne sais pas pourquoi c'est rire. Ben, tu me regardais. J'ai pas Je pensais que tu avais une anecdote de barbe. Ben oui, mais non, c'est parce qu'il a fait un client hier. Ben, hier, puis avant-hier, je fais des clients, puis c'est quoi dans les yeux? le gars, il avait une petite motte de barbe là, puis une petite crotte là. Là, elle est comme laissée. Elle crée son coupe ça. Là, c'est, c'est... Non, je parle de son ami. Ah, OK. Fait que, ah, c'est bon. Il a juste arrangé ça ici, rasé là.
Puis ça, il l'a mis genre plus rond, là, ça a tout changé. Ah, j'ai regardé le gars après, puis j'ai fait, hey, ça sculpte ta face, ouais. C'est wow. Ça, genre, mettons, ça, sur 10, tu pognes une coupe de points, là, tu sais. Vraiment, puis ça fait plus sont contents. Clean, là, ouais, c'est oui. Fou, les gars, ils passent un moment avec moi, on genre, je parle de leur blonde, ils sont pas de blonde, ouais. Je parle des filles, ils annoncent de leur job, de leur sport, ouais. Whatever. Ouais. Puis là, ils sont contents, on niaise. Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils. Je le vois qu'ils sont contents. Ils, au début, ses fois, ils sont un peu gênés. Tu sais, comme lui, il était comme, ah, oh, j'étais avec. Le rire faisait ses cils, il dit, ah, oh, j'étais avec deux personnalités publiques. Genre, des buzz. Nous, on est personne en tant que telle. Elle est habillée en mou. Une toque sur la tête. Ah, ouais. Tu viens assister dans le fond à ses cours à lui? Mais non, mais elle était chez nous, puis elle faisait lui, ses ongles. Pris, ouais, oh, moi, je faisais mes ongles. Puis lui, ouais. J'ai fait venir un client, je dis, ah, je vais te faire dehors, il fait beau. Fait que, ouais, moi, je faisais mes ongles dehors pour être avec eux, puis comme. Ah, oh, c'est cool. Ouais. C'est nice. Mais, ils étaient contents. C'est ça, quand ils partent, ils sont contents. Ouais. Ouais, c'est ça que j'aime. Là. Ouais. Mais tu sais, le feeling, là, quand tu sors, tu sais, une journée que tu te sens. Tu ouais. Parais bien, tu te sens bien ouais. Dans ta peau. Ouais. Ou bien, t'es allé magasiner, t'as du linge. Je sais pas, n'importe quoi, tu sors, t'es hot. Là. Ouais. Mais oui, c'est ça le feeling oui. Que j'ai, ouais. Quand je sors du barbier. Fait que je comprends tellement. Là, genre, ouais. Puis oui. Pour nous, c'est satisfaisant. Ben, moi, je fais des extensions de cils, je fais ouais. Des ongles. Des cils, là, c'est en plein milieu de ta face. Là. Oh, quand ça je me fais mes cils, tellement. Je suis en puis je suis un papillon. Là. Mais je marche différemment. Ça. Je marche comme ça. C'est ça, Eric. Moi, je crée quelqu'un de beau, puis elle s'adore encore plus. Fait que je suis comme, ça, c'est mon œuvre. Premièrement, j'adore faire ça, c'est créatif. Puis en même temps, j'aide la personne à se trouver belle. Ouais. Mes cheveux, c'est la même affaire. Dans le sens qu'ils ont hâte d'aller voir le et barbier. Voilà. Ils vont jaser plein d'affaires. Puis, oui. C'est hey, la c'est relation ça. Avec ton barbier ou ton coiffeur ou ton esthéticienne. C'est psychologue. C'est ça, pas 100%. C'est une thérapie, là, 100%. Toutes les, là, j'ai plus ma coiffeuse. Elle a pris sa retraite dans la coiffeur. Mais c'est tough à trouver aussi. Oui, j'avais la même coiffeuse pendant longtemps. Puis premièrement, de retrouver une coiffeuse qui va te donner exactement ce que tu cherches, c'est une chose. Mais de retrouver la personne, là, ouais. C'est quand même un psy, là, elle connaissait ma vie au complet. Puis en plus, elle avait une mémoire de feu, ce qui me fait capoter. Parce que moi, j'ai pas de mémoire. Pas de mémoire d'envie. Tu peux me parler de ta vie au complet. Si on se revoit un mois plus tard, je vais te reposer les mêmes questions. Parce que je suis pas capable de m'en rappeler. Puis elle, j'ai retourné la voir, puis « Hey, le gars, là, plus t'as l'affaire, plus c'est rendu, puis là, je suis comme hey, « ben ça, c'est le fun, non. Parce que ça, t'es comme « Ah, c'est nice, ça se préoccupe mais de moi. » Mais tu qu'est-ce que ma prof me dit? Ouais. Elle me dit des fois, elle met les clients, puis elle met des notes. Oui. Le pompier, le gars qui a deux femmes, whatever, okay. Là, tu sais, comme des... Pour se rappeler c'est quand que la personne elle revient. Ouais. C'est exactement ça que j'allais bring up. Parce que moi, je fais des formations de CRM. Là, c'est des logiciels de vente et tout ça pour les entreprises et tout. Puis je fais des formations aux entreprises. Puis je leur dis tout le temps. Je suis comme, tu raccroches le téléphone avec quelqu'un. Écris. Tu notes c'est quoi le nom de ses enfants. Mm-hmm. C'est quoi il te parlait de son voyage qu'elle a fait la semaine prochaine. Écris le voyage la semaine prochaine. Puis ça le valorise quand tu te rappelles de ça. Oui. Hey, tu le rappelles. Hey, puis ton voyage, ça s'est passé comment? Puis ils sont comme, ouais. Et moi, je me demande, notre dentiste, là, 100% qu'elle a des notes. Mais c'est le fun aussi de. Tu sais, ça start bien un rendez-vous, là. Ouais. Genre, oui. Ça part la discussion, là. Depuis ton voyage, ça s'est passé comment? Ça part, là, t'en as pour un 30 minutes. Ouais, 100%. Tu vois, là, je suis en train de comme, essayer de retrouver une coiffeuse tranquillement. Mm-hmm. Fait que là, j'en essaye. Puis c'est fou comment je me sens tout le temps comme sur une première date. Parce que quand. Tellement. Quand tu rencontres une coiffeuse pour la première fois, c'est quand même. Ouais. Bon, tu viens d'où? Coiffeur, là. Moi, je vais pas chez Barber, mais tu viens d'où? Tu fais quoi? Ok, c'est cool. Puis là, toi, tu poses. Tu sais, c'est carrément une première date. D'apprendre à connaître tout le temps. C'est quasiment genre, c'est le vibe, c'est-tu un fit? Et aussi, voilà. Parce que c'est une chose, sortir puis être content de ta coupe, mais comme le vibe est tellement important. Mm-hmm. Mais oui. Tu sais, mettons, comme il arrive un peu gêné. Ouais. On dirait que je l'ai, ça, là. C'est une joke. Ça, c'est, il est con. Tu te rends vulnérable, fait que lui, il est comme, tu sais, il se prend pas. Tu sais, il sent déjà plus confortable. C'est comme, tu vois ça comme étant, parce que tu sais, comme t'as des gens qui vont s'asseoir puis qui veulent parler à leur barbier, leur coiffeur, c'est toi qui sont justement peut-être, ils veulent moins, ou est-ce que toi, tu sens ce vibe-là, ou t'es juste en mettons, mode, moi comme je veux quand j'étais client, par exemple, là. Ouais. Il y a des jours, là, ça va bien, puis je suis comme, je suis drôle, ça va bien, tu sais. Il y a d'autres jours, là, j'ai même pas envie de dire un mot. Là, Mais ça, c'est d'apprendre à dealer avec ça. Le client. Ça se peut qu'à un moment donné, un jour, il vient me voir, puis il me parle pas. Puis... Il y a des salons maintenant, quand tu bookes ton rendez-vous online, t'as l'option, un genre de silent rendez-vous. Genre, tu peux demander à pas jaser. Ça, j'aime ça. Parce que c'est vrai que. Parce que des fois, le barber va chercher à c'est te ça, rendre à l'aise, mais toi, t'es à l'aise, tu veux juste la crise de paix. Puis des fois, quand t'es juste pas dans le mood, c'est comme ça vient tout chercher ta petite énergie de ce que je fais dans la vie. Tu sais, c'est comme prendre une ride Uber, puis t'as pas envie de jaser, puis le chauffeur, là. Mais t'es genre, j'ai pas envie. Parce qu'on est tous pareils, je pense, même chose. C'est moi, je suis full sociale, je veux parler à tout le monde, puis ça, puis j'ai des journées que j'ai pas de jus, puis je suis juste en mode, genre, moi, je veux juste comme faire mes yeux, puis faire mes whatever. Tu sais, le concept que il t'offre l'opportunité de choisir si tu veux comme parler beaucoup, si tu veux juste, genre,
Parce que tu sais pas, tu sais. Non, c'est vrai. Beaucoup, là, t'arrives. C'est ça, un petit Red Bull. Ouais. C'est comme les restos, genre au Japon, que tu peux manger tout seul, puis t'as même pas contact avec le serveur. J'adore ça. Ah, c'est vrai. Genre, mettons, tu commandes, je sais pas comment ça, je pense que tu commandes ce que tu veux. Ouais. T'assois ou t'es déjà assis, peu importe, puis carrément, il lève c'est comme un cubicule, en fait. Puis il lève la petite porte, il te donne ton assiette, ferme la petite porte. T'as comme pas de contact avec la personne. C'est comme nous, quand on est allé au Japon, on les a essayés avec ça. Tu t'assois, c'est comme si t'étais assis au bord, sauf que t'es comme dans un cubicule, tu sais, comme aux toilettes entre les urinoirs, comme des en tout cas, des trucs en bois. Séparateurs, whatever. Puis, devant toi, le bord, t'as un truc qui s'ouvre. Fait que ça. Ouais, c'est ça. Ça s'ouvre. Là, tu vois le cuisinier qui te drop un bol ou ton. Peu importe ce que t'as commandé, il le referme. Puis là, tu manges tout seul. Genre, c'est spécial. En tout cas, au Japon, il y a une culture aussi de il y a un nom pour décrire les gens qui passent beaucoup de temps tout seul. C'est même un problème, je pense. Mais c'est aussi le fun parce que ça te permet d'être dans ta bulle ça tombe, d'être dans ta bulle. C'est vrai. Je pense qu'Internet, ça a pas aidé ça parce que là, t'es comme tout seul, mais t'as connexion avec tout. Vraiment. Fait que tu te ramasses de plus en plus seul, mais t'es connecté à tout. Est-ce que c'est capable de... Juste curieuse, parce que je le fais souvent, mais est-ce que c'est capable de genre manger seul à une table sans nécessairement avoir un téléphone ou une télé? Non, mettons chez vous, quand tu manges tout seul, est-ce que tu fais quelque chose sans en même stimulation, temps? Sans rien, moi, je suis pas capable. Pas capable? Moi, ma mère me dit tout le temps, qu'est-ce que tu fais à manger debout? Mais moi, je mange debout, là, c'est un goal. Devant la télé, genre? Non, mais sur comptoir. Il y a les lots, là, moi, je suis de botte. OK. Ah, je suis de botte. Parce que t'es comme en mission de, je vais finir ma bouffe puis je vais faire autre chose. Ou il fait des choses en même temps. Ou je cuisine, je finis. Genre, mettons, je fais les crêpes le matin, je m'assois pas une seconde. Je fais les crêpes, moi, je m'en sors. Laurie, elle mange, puis moi, je compte ça, je mange en même temps de te faire. T'en fais une, t'en prends les prêts, tu manges, mais là, t'attends que l'autre t'assure. Non. Moi, j'ai appris parce que justement, j'avais un ex qui faisait ça, il mangeait tout seul à la table, puis ça, puis je trouvais que c'était psychopathe comme behavior. Tout seul? Ouais. Jusqu'à ce qu'un moment donné, je sais pas pourquoi aller dans mon appartement, genre un moment donné, j'étais comme, hey, cette table-là, je l'ai acheté, je m'assois jamais à ma fucking table parce que j'ai mon bord, tu sais. Je m'assois à ma table, puis je vais déposer mon téléphone, puis ça, puis des fois, je me forçais, puis j'étais comme, ah, ça fait du bien de juste penser à rien. Mais c'est vrai. Ouais. Mais je suis pas capable. Moi, une table, c'est quand je fais ça que l'anxiété rentre. Oui, je me focus trop sur mes sujets. L'hamsterball. Faut pas que je parte trop. Et c'est pour ça que je prends de la médication. Mais tu sais, mon TDA à Lille, ça a pas été facile. Ah ouais, À Lille, c'était. Mais tu sais. Il l'aimait, les nounous, là. Ouais. Il l'aimait dans sa différence. Ouais. Mais t'avais pensé aller chercher, genre, vivance ou, tu sais, les médicaments? Ouais, j'ai déjà été médicamenté, mais j'ai décidé d'arrêter, justement, pour travailler sur moi, essayer de... Tu sais, je m'en sors assez bien présentement, mais sûr que des fois, c'est plus tough, mais je me dis, let's go, genre, lâche pas, puis je vis avec ça. Fait que maintenant, t'apprends à vivre avec. Mais à Lille. Une nouvelle blonde, c'est très tough aussi, parce qu'il faut qu'elle comprenne tes TDA. Ouais. Si ta blonde comprend pas que t'es TDA, elle va juste le temps de chialer dessus. Mais oui. Mais ça comprend. Ah, tu m'écoutes pas, tu m'as pas entendu. Il y a des bons côtés d'un TDA aussi. Mais à Lille, c'est arrivé. À Lille, je me rappelle. Le brossage dedans, moi, c'est. Tu sais, comme quand je suis arrivé au podcast, j'ai dit, je m'en brosse les dents. Je m'en brosse les dents souvent. Ça prend 20 minutes. Mais pourquoi c'est ça? Caro, elle a le même toc. Elle se brosse les dents 8000 fois par jour. Mais faut que ça soit propre. Tu sais, mettons, là, c'est sûr, c'est un podcast, je veux que mes dents soient propres. Je comprends. Mais tu sais, à Lille, je me brosse les dents, j'ai mis un vaseline. C'est comme Hugo. Je suis prêt à me brosser les dents. Elle est capotée. Les dents, ça veut dire 20 minutes, puis ça, tout le monde le savait. Hugo, il est où ton sel? Ah, je sais pas. C'est juste ta brosse à dents ou t'as genre plusieurs steps? Plusieurs. Je brosse soie dentaire. Là, vu que soie dentaire, il y a... Ça enlève des trucs. Genre brosse un peu. Ouais, puis après, c'est coqué d'Invisalign. Est-ce que t'as un tongue scraper? Je connais la routine par cœur. Ouais, un tongue scraper. C'est quoi ça? Oh non, dis pas ça, vous allez racheter les affaires sa routine. Moi, c'est parce que, j'ai un ex qui m'a mis là-dessus, puis je sais pas si c'est parce qu'il était généreux, puis il me partageait ses trucs ou voulait me dire que j'avais mauvaise haleine. Non, ça va jamais. Mais en réalité, c'est genre un petit truc en métal, puis c'est comme, ça a cette shape-là, puis c'est genre comme une petite barre en métal comme ça, puis tu fais juste le mettre sur ta langue, puis tu scrapes. C'est littéralement juste une barre en métal. Ça enlève la marde. Tu sais, le blanc sur ta langue, là.
ça, littéralement, je fais ça, puis genre, dans l'évier, je dis... Tu le vois. Oh, en fait, tu sais, t'as aucune idée comment que ça nettoie bien avant d'en avoir utilisé un. Ouais. Une fois que t'en utilises un, tu peux plus t'en passer parce que tu réalises. Surtout, ça s'appelle comment? Tongue scraper. Surtout, scraper pour langue. Ouais, si t'es quelqu'un qui a tendance à, mettons, boire un café, ou, ben, surtout si tu rajoutes du lait, de la crème, là. Ouais. Même pas l'odeur, juste le fait d'avoir constamment un liquide dans ta bouche ou toute la journée. Snack, ou comme si t'es quelqu'un qui t'as la langue légère, genre. Oh ouais, ouais, t'as vraiment la langue légère, c'est beau. Ça s'accumule sans que tu t'en rendes compte, puis comme non, pour vrai, essayez-le, gang. Vous allez essayer là à la maison. Ah, on va Tongue essayer scraper. Ça. Ouais. Ok, je m'excuse, Laurie, on vient d'allonger son. Moi, ça va l'allonger. Ça va être un petit moment d'eux, le brossage de dents. Est-ce que toi, ça c'est particulier. Tu sais, on parlait tantôt de manger tout seul. Le riz, dès qu'elle se brosse les dents, elle met la crème. Tu sais, parce que là, oui. Moi, j'ai une bonne routine. Souvent, les gars, ça va être genre un 3 en 1. Tu laves la face, le cul, les cheveux et tout. Là. Mais moi, j'ai comme, tu sais, c'est quand même, j'ai mes trucs. Ouais. Mais le riz, dès qu'elle se brosse les dents, elle met de la crème. Elle met son cil de même et elle sort TikTok. Mais tu sors TikTok, c'est fatigant parce qu'il faut tout le temps que tu scrolls. C'est fatigant. C'est pas comme une émission de télé. Un peu. Tu sais, tu bosses les dents, mais c'est sur TikTok. Ouais, genre que t'as besoin de divertissement pour faire ça. Oui, ça va être pas avec moi. Genre, moi, je suis là, je suis drôle, là. On bosse les dents, pognon. Non, on se bat pour cracher dans le lavabo. Ça, là, un game changer, guys. Deux lavabos. Ouais. Ou même nous, on a pogné deux salles de bain pour ça. Ah, vous avez deux salles de bain? On a deux salles de bain. C'est un game changer. Pour se préparer, t'es en train de danser. Ça serait malade. Parce qu'avant, tu sais, quand elle venait chez nous, puis c'était une salle de bain, puis tu sais, on est tout le temps en train de se battre pour le lavabo. Ben, on se prépare. Tu sais, mettons, on sort quelque part, on se prépare en même temps, puis on a chacun ses lampes, puis tasse tout. Hey, deux salles de bain, c'est malade. Pas de chicane. Tu sais, quand tu reviens les deux en même temps, puis les deux, faut aller aux toilettes. Là, suite. Il n'y a pas de toilette, mais il y en a deux. Tu sais, mettons, moi, je suis pas chier dans ma toilette. Je veux pas que quelqu'un, après ça, vienne sentir l'odeur de ma toilette. Fait que je suis contente. Mais moi, c'est ça qui est particulier. Ah oui, tantôt. Là, si je reviens, là, ça, c'est le TEDA, mais c'est bon, ça, par exemple. Vous avez dit, quand on est revenu de l'île, certaines choses qu'on savait pas de l'autre. Ouais. Le riz, aucune pudeur. Moi, avec mes blondes, je me mettais quasiment pas tout nu si c'était pas pour une excitation sexuelle. Fait que le fait de me voir tout nu, c'était relié au sexe. T'sais. Right. Là, elle, je me tout nu, elle snatch à l'air, elle chie la porte ouverte. Oh, ouais! Ah ouais! Hey, je suis en douche, elle s'en va chier, là. Moi, je suis j'ai jamais eu ça. Hey, au début. Oh, c'est drôle! Ouais. Dans notre famille, on est plus que c'est fou pour elle la différence d'une famille à l'autre parce que même chose, nous c'est l'inverse, c'est comme toi là, c'est super prude dans notre famille, vraiment prude. Je pense que c'est la même chose que vous autres. J'étais avec un ex que comme en famille, il chiait à la porte ouverte, comme super relax. Je suis dans la douche avec Laurie, ça fait 3-4 jours de ça. Ça m'a dit est-ce que t'es dans la douche, je vais rentrer, j'ai envie de chier. Ça va? Mais moi je sais qu'il est prude, fait que c'est comme il va sortir puis moi je vais être dans la douche. Il rentre dans la douche, puis il est comme, OK, tu peux rentrer. Là, je suis crampé, je suis comme, t'aurais pu sortir, il est comme, c'est pas grave. Hey, là, elle essaie de chier, mais en même temps, on jase, puis là, moi, puis elle, moi, puis Laurie, on jase, OK? Dans la douche. Là, on part à rire. Elle part à rire. Elle est en train de chier juste à côté. Elle dit, oh, vous me déconcentrez, là, je suis pas capable. Elle dit pas capable de me déconcentrer. Moi, je suis comme, ah, sacre. Je peux pas imaginer ma mère qui. Ça serait drôle. Hey, mais c'est normal. Là, en vrai, je suis converti. Converti à ma famille. C'est fou comme elle est. Justement, j'étais avec un ex que c'était le même. Je suis pas rendue aussi, mettons. Ouais. Mais ça t'a un peu déniaisé là-dessus. Oui, ça dégêne un peu. Puis c'est aussi que, comme ton rapport à la nudité, ou pas nécessairement la nudité, mais comme ton rapport à toi, je trouve que ça enlève un stress. Ouais. Tu sais, moi, comme tu disais, moi, c'est comme. C'est relié à une relation sexuelle. Ouais. C'est comme, mais c'est vrai que c'est prouvé que c'est pas bon de se promener tout nu, de tout ça, parce que tu associes le corps de ta femme au quotidien. Fait que, mettons, exemple, elle va arriver une soirée, elle va se mettre tout nu dans la corde de porte. Tu vas être comme... moins excité. C'est ça qui fonctionne comme ça. Là, fait que... c'est ça. Il y a peut-être une balance entre les deux dans ce cas-là. Je dirais à un moment donné, quand même, au Moyen-Âge, je disais, là, si tu démontes ta cheville, c'est excitant. Puis que je comprends que peut-être une ligne à déterminer. Non, mais là, ouais. Elle montre leur épaule. Ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. Dans le fond, si vous voulez vraiment que votre chum, il bande, avez-toi les manches longues, pantalons longs, c'est ça. Fais juste montrer ton front de même, puis c'est parti. What a hairline. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe. Mais pour vrai, c'est très la gang, moi, je dis, genre, littéralement, le podcast le plus fun à vue. C'était vraiment fun. Vraiment. Savoir, vraiment. Je pense que c'est un des plus longs aussi que... Hey,
1h. Ouais, ben on a une petite pause entre temps. On a un problème de caméra, mais on est à 1h37. Mais pour vrai. Mais je dirais aussi que c'est un des podcasts qu'on a plus aimé. Ah ouais, vraiment. Pour vrai, ouais. Vraiment cool. Vraiment content de vous avoir reçu. C'est le fun de partager. Tu sais, on regarde ça à télé. Puis là, c'est le fun d'avoir votre côté. Puis ce que vous avez vécu, tu sais, le avant, pendant, après. Puis c'est vraiment. Mais c'est le fun à dire aussi. Parce que même nous, on l'écoutait avant. Puis on n'était pas dans le jeu. Puis on comprenait pas nécessairement. Fait que j'étais à votre place. Puis là, c'est le contraire. Puis là, je peux vous dire comment que c'était. Puis même moi, là, c'est le fun à comprendre aussi. Ouais. Fait que ça a l'air con. Vas-y, continue, excuse. Non. Mais ça a l'air con, là, mais parce que vous autres, les gens sont ouverts à qu'on leur parle de ça. Ouais. Mais nos amis, ils encore lisent. Hein? Ah, ils sont tannés. Attends, t'es en train de me dire que quand vous êtes revenus, là, vous êtes sortis, là, ils vous ont pas genre attaqué avec les mêmes questions. Mais comme, tu sens qu'ils sont comme, oh, reviens-en. Là. Mais c'est que toi, ça fait 2 mois que tu vis ça. Là. Fait que c'est sûr, t'en parles. Là. Mais oui. Ils ont peut-être une espèce de peur aussi de perdre les amis qu'ils avaient. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense que c'est de la crainte. C'est la crainte de perdre leurs amis. Parce que c'est du monde et c'est du monde instruit. Tu sais, ma gang d'amis, c'est des gens instruits, brillants. Oui. Tu sais, fait que eux autres, là, ils. Là, je pense que c'est de la peur. Ils ont peur que c'est comme, il est rendu différent, on va le perdre. Ouais. Je comprends. Genre, reviens-en, retourne à ton quotidien. Ouais. Retourne au go. Mais il ne peut pas l'enlever de sa vie. Ouais. Ça fait partie de ma vie. Puis c'est sûr que, exemple, tu es un barbier. Mais ça se peut que le soir, quand tu parles avec du monde, tu parles un peu de ça. Mais oui, c'est normal. Là, ça fait 2 mois, tu es allé de l'amour. Ça se peut que tu parles de ça. Il y a des références. Là, mettons, tu sors un call. Ah, c'est vrai, Raph, il disait ça. Ouais, OK. Oui. Mais eux, ils sont encore là, tu sais. Mais tu sais quoi, je pense, si, mettons, je sais pas, Antoine, tu fais un TV show, pas un show d'amour, Caro, inquiète-toi pas, il est avec toi. Big Brother, OK, il revient de Big Brother. Je pense que j'aurais, par réflexe de ne pas trop y parler du show juste parce que je voudrais pas. Mettre de l'importance. Mais j'aurais l'impression, genre, je veux pas être la fille qui est fan. Je veux parler d'autres choses que du. Peut-être c'est ça. En tant que les amis proches, pas sûr que c'est ça. OK. Mais les gens, mettons, qui nous voient dans la rue, ils veulent. Là, ils nous regardent. Il y a des fans qui nous prennent en photo. C'est awkward as fuck. Mais on les voit, là. Mais tu sais, eux, c'est ça. Je pense que soit qu'ils sont gênés ou ils veulent pas nous donner de l'importance. Mais tu sais, est-ce que vous entendez les pchuchuchuch avec vos noms, là? Puis ça. Ça va être fatigué. À un moment donné, on rentre dans un resto déjeuner, là, toute la cuisine, tout le monde. Et à la fin, il nous offre un rabais, on est comme. Là, la fin, je veux pas être groupie, mais tu sais, vous êtes les gagnants de l'amour, puis on vous a fait déjeuner, le boss vous a fait déjeuner, parce que, tu sais. Depuis le début, elle faisait comme ce qu'elle était. C'est ça, OK. Tout le service. Ouais. Préférez-vous ça ou préférez-vous qu'ils le disent au début ou. Ça me dit. Sérieux, on aime mieux. Peut-être qu'eux autres, ils se disent, je veux pas les gosser. Non, c'est ça. Ils sont venus déjeuner en couple. Ouais. On va les servir comme un client normal. Ouais. Mais ceux qui nous prennent en vidéo, en cachette ou en photo, viennent nous demander. Des fois, ça va faire plaisir. Des coups d'épaule. Ah, mets-toi belle, on se fait filmer. Ben oui. Soit transparent ou bien foutoisant. C'est ça. Mais pas l'entre-deux. Moi, pour l'avoir vécu, vous meurdez pas. Là. On est sortis la soirée après le shoot, puis le monde venait vous dire allô, puis tabarnouche, je vous souriais. On n'a pas l'iceberg, puis on est comme. Non, pas en tout. On est sociable. Parce que tu le sais, de toute façon, si tu vas dans un bar, tu le sais, ça va arriver. Si ça te tente pas, tu vas pas dans un bon. T'es pas sociable cette journée-là, vas-y pas. Tu vas écouter Netflix avec ta blonde, puis. Ouais. Tu peux pas chialer après ça que si tu te ramasses, si tu tiens d'un bord, tu peux pas chialer que tu te reconnaître. Tu vas d'un bord. Voilà. Ouais, c'est ça. J'aime ça ta mentalité parce que c'est un peu. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens justement qui vont vous reprocher, whatever, comme ah là, peu importe, il y a des gens qui vont chialer sur le fait qu'ils ont de l'attention et tout, puis en réalité, vous êtes allé dans un TV show qui était comme publié partout au Québec, qui a eu beaucoup d'attention, fait que je comprends, puis vous êtes comme parfaitement conscient que. Ben, tu sais, il y a des gens qui vont comme réagir de différentes façons, puis qui vont venir vous voir, puis que ça va arriver, tu sais. Puis Antoine, il disait justement l'autre jour, il est sorti avec vous, puis veux pas, Caro, puis Antoine, ils sortent des fois, puis ils se font reconnaître, puis le monde vient en parler et tout. Mais tu as dit, il sortait avec vous autres, puis je me rappelle plus qui Mais c'est parce que cette soirée-là, on était aussi avec du monde de OD. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient reconnues, genre littéralement, je sais pas si. Ah non, c'est parce que vous êtes venu nous rejoindre après. OK. Mais on marchait avec les boys, puis là, il y avait Alex, Rami, puis je me rappelle plus le nom. Freeman, c'est ça. Fait que t'es en train de marcher dans la rue, puis on a passé devant le mile, tu sais, au 10-30. Oh, littéralement, là, ça s'est mis à faire. Ça criait, là. Quand on est rentré au Dirty, là. Ouais, Dirty, c'est fait pour comme tout le monde est collé. En plus, on est allé au bout, fait qu'on a traversé le bar. Tout le monde comme les. Ouais, c'est vrai parce que là, vous êtes. Ah, mais c'est. Tu sais, moi, j'appelle ça l'effet domino. Dans le sens que tu rentres, ça tatatatata les têtes. Là, le monde se dit, pourquoi eux autres te regardent tout là? Tout le monde en regarde. Ils connaissent pas là-dedans, mais ils savent que t'es famous parce que, genre, tu sais. Est-ce qu'il y a quand même.
il doit avoir un petit fond de velours, de comme, ah, c'est quand même cool d'avoir un peu l'attention, une petite affaire. Ouais, ouais, quand même. Ouais. Mais, c'est... mais là, c'est là que tu te dis, oh, faut pas que j'en French un autre. Mais... ah, c'est là que tu te le dis, parce que d'habitude. Non, c'est ça. Mais un affaire que je vais acheter, parce que ça, c'est l'attention, mais moi, je me suis rendu compte ce soir-là aussi, à quel point il y a du monde qui n'ont pas la touch, puis vous l'avez sûrement vécu. Tu sais, il y en a qui doivent, hey, salut, on vous aime full, nanana, ça, c'est cute, whatever, ouais, ouais. Mais il y en a, littéralement, là, qui venaient, là, hey, toi, viens ça. Viens ici, on va prendre une photo avec mes chums. Ouais. Là. Puis là, place-toi là. Puis ils n'ont même pas demandé. Moi, j'ai regardé ça dans l'arrière. Puis les gars, ils ont été vraiment cool. Le Rami, Freeman, tout ça. Puis Alex, tu sais, ils se mettaient. Puis... mais après ça, ils revenaient. J'étais comme, oh non, c'était tout le temps de même. Ouais. Il y en a, là. Ben, nous autres, c'est arrivé. Une fille a dit, là, vous avez voulu faire un show, là. Ben, vous n'avez pas le choix, on prend une photo. First, devant toute notre famille. On s'en va manger avec ma famille, OK? Ma famille, puis... c'est la première fois que je les revois toutes, là, la famille, là. Genre, on s'entend. On passe pour aller à ma table. Elle me reconnaît, la madame, elle a des filles, là, de elle mon nous âge. Pas, là. Elle commence à me poser plein de questions. Là. Mais je m'en vais à ma table, là. Elle me fait arrêter en plein milieu, ma famille en arrière, puis elle est comme, hey, pis là, puis elle commence à me parler. Là, ses enfants, tu vois, c'est des ados, sont là. Ils sont gênés. Puis là, après ça, je suis comme, puis là, je m'en vais m'asseoir, puis là, tout le monde est comme, t'as abandonné, hein? Ouais. Ça reste de même. Puis ce matin-là, moi, j'étais pas trop de mère. Ça allait de même. Une minute plus tard, elle vient. Là, tout le monde est, ma famille, genre, oh, là, rien s'en vient. Là, je suis comme, elle est comme, hey, excuse-moi, mais là, t'as fait un show, fait que là. T'as pas le choix. T'as pas le choix de prendre photo avec moi, là, pis tout, là. Ma famille était de même, genre. Pis là, j'étais comme, dites rien, dites la rien. La mère, Laurie, elle a un petit peu le même caractère que Laurie. La pomme n'est pas tombée loin. La pomme. Oh mon dieu. Elle arrête de retour, va être le fun. Non, mais tu sais, fait que là, moi, j'étais sûr que sa mère allait dire genre, hey, Chris, patience, quelque chose. C'est son dindant direct. Ouais. Mais, oh my God. Finalement, elle n'a rien dit. Ça m'a surpris. Mais c'était ordinaire. Après ça, j'étais juste la comme... fois la pire. Mais la pire, c'est vraiment son cool. Okay. Tu sais, il y a une façon respectueuse de le faire. Et dans un mauvais mood, j'aurais fait comme, madame, ça se dit pas, là. Genre, s'il te plaît, non. Mais t'as décidé, j'arrivais à dire non. Non. Quand même, à une photo. Ah ouais, jamais. Not yet. Wow. OK, vous êtes bon. Mmh. Ouais. Ça me fait plaisir. Tu sais, mettons d'un festival où attends les Sonic. Ouais. Non, pas les Sonic, excuse-moi. Mettons au pique-nique. Ouais. Au pique-nique, le monde nous reconnaît au début, tout le monde nous regarde. Ouais. Plus que la soirée avance, là, ils sont chauds. Là, plus le monde sont chauds, là, tu peux plus marcher. Là. On allait aux toilettes. Là. On te faisait arrêter 5 fois. Là. Ah, OK, on s'en vient. Mais là, tu vas être poli, tu vas être gentil. Ouais. On est gentil, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu veux te rendre où tu veux te rendre. Aux toilettes. Mais j'ai eu le typique du gars qui niaise, puis tout. Fait que là, les gars, ils pensent qu'ils me connaissent, c'est mes chums. Tape dans le dos. Hey, chum, puis tout. T'es malade. C'est genre, tu connais, il est comme là. Ouais. Ouais. Ça, c'est plus en fin de soirée. Ça, t'arrivait-tu comme au début, mettons, là, quand t'apprends à vivre avec ça, mettons, que quelqu'un t'approche et t'es comme, est-ce qu'on se connaît ou est-ce que c'est vraiment juste my God, ou des fois, je pense que c'est du monde qui me connaissent à cause de Lille, mais non, j'ai que t'es connais pour vrai. Fait que là, moi, je suis comme si c'était du monde qui me reconnaît à cause de Lille. Ouais. Puis là, ils sont comme, la dernière fois qu'on s'est vu, tu sais, on était chaud raide, là, je suis comme. Ouais, c'est ce qu'il y a. Madame à ma l'épicerie, elle dit, toi, je te connais, hein, à Hugo, puis là, nous deux, on se regarde, on est genre. Là, je la regarde, je dis, ben non. Elle dit, il fait comme si rien n'était. Elle dit, ouais. Ouais, tu travaillais ici. Non. Ah. Tu travailles ici, hein? Non. Mais tu sais, parce que des fois, tu vois le visage de quelqu'un, puis le visage qui est familier, mais tu sais pas de où tu le connais. Right. Fait que ça, c'est l'histoire de ma vie. Justement, ben, on est allé, en tout cas, je dirais pas qui, mais on est allé dans un événement il y a pas tellement longtemps, puis j'ai vu quelqu'un, puis j'ai dit, ah. Parce que là, je le connais, puis je sais pas de où. Puis là, je cherche. Puis à un moment, je suis comme, je pense que j'allais à des parties chez lui quand j'en suis au secondaire. Mais je suis comme, est-ce que c'est ça? Parce que s'il est juste comme populaire sur Instagram, puis je vais dans sa face, je suis comme, oh mon Dieu, j'allais-tu à des parties chez vous au secondaire? J'ai l'air de la fille qui essaie. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui m'a écrit justement sur Hinge à un moment donné. Il me dit justement comme, hey, on n'allait pas au cégep ensemble. Fuck, hein, le zéro. Mais je pense que c'est un pick-up line de faire, hey, ouais, je pense qu'on se connaît. Il n'y a pas une sœur qui s'appelle Catherine. Genre, c'est un opener. Pis ça, c'est plus ça. Ah, c'est plus ça. Ouais. Moi, j'ai connu beaucoup de sœurs Catherine. Anyway, fait que on va rapper. Moi aussi, mon retour va être agréable. Donc. Merci à vous. Ça se parle le fun. Merci. On aurait continué. Ah, 100%, ça a été vraiment le fun. Exact. On est tous arrivés sud. Fait que si vous voulez sortir, avoir du plaisir, on est tous là. Et oui, vous avez fait une émission, vous n'avez pas le choix.
Check là. All right, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Et à un de ces quatre. Ciao, guys. Bye.